Très heureuse de vous retrouver dans Telle Époque. Et merci d'être de plus en plus nombreux à passer votre samedi soir avec nous. On en est très heureux. Est-ce que le meilleur public de France va bien, est en forme ce soir? Pas de Quelle Époque sans son invité permanent. Mesdames, messieurs, je vous demande une ovation pour Christophe de Chavannes. Mais quelle beauté! Oh, vous êtes gentil. Donc. Vous aussi, vous êtes. Vous avez l'air en forme, très oui. élégant, très oui. chic. Oui. On a passé une bonne semaine? On a passé une semaine formidable. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de me renverser un truc sur. Ça se voit? Tous les jours. Quoi? Ça se voit pas, vous êtes beau. On retrouvera évidemment tout à l'heure notre expert sociologue, politologue Philippe Cavrivière, que vous avez pu apercevoir en train d'enflammer une poubelle pour son fil Paul et son fil Actu. Et moi quoi? Non, je ne voudrais pas vous couper dans votre élan, mais et vous, comment allez-vous? Moi ça va, ça même va. Pas la, la, ça je ne peux va. Même pas répondre. Ça va, ça va, ça va, ça va mon ami. Et puis bonsoir Paul de Saint-Sernin. Bonsoir Léa, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Et est-ce qu'on peut en profiter pour, parce que je reçois pas mal ce message sur les réseaux, pourquoi il y a un mec en carton à côté de toi? Est-ce que vous pouvez, une bonne fois pour toutes, le dire? M'expliquer, moi-même je sais pas toujours. On ne sait pas, nous d'accord. non plus. C'est les bonnes idées du producteur, j'ai toujours pas compris au bout de 6 mois à quoi ça sert. Alors à la base c'était l'invité qu'on n'a pas réussi à avoir. Ah oui. Mais là maintenant on change un peu, Thomas Ndjijol a un lien avec l'un de nos invités, donc voilà. Ouais. C'est bah écoutez, on verra ça tout à l'heure, okay. Avec quel invité il a un lien et pourquoi il est là ce soir. Allez on y va, Quelle Époque, saison 1, épisode 22, voici le sommaire. Ultra populaire, il a été l'un des visages de TF1 pendant près de 20 ans. Il revient avec un livre confession dans lequel il se livre comme jamais sur son histoire dingue. Enfant abandonné à l'assistance publique, adopté à 3 ans par des parents pas très aimants. Et la suite que vous connaissez tous, Vincent Lagaffe dit tout ce soir dans Quelle Époque ? Révélée pour son rôle dans 10%, césarisée, moliérisée, elle est l'actrice incontournable du cinéma français, attachante, émouvante et drôlissime. Laure Calamy nous présente Bonne Conduite qui sort mercredi prochain sur les écrans. On reçoit aussi une légende, la légende de la chanson. On l'appelle l'Oriental, il a 60 ans de carrière, il a vendu 50 millions de disques. Une vie hors norme et toujours en tournée à 84 ans. Enrico Macias passe la soirée avec nous ce soir. Elle nous bluffe avec son premier roman, l'histoire d'une petite fille qui a perdu son père à l'âge de 6 ans et qui fait une enquête pour savoir qui il était vraiment. Cette histoire, c'est celle de la fille d'Inès de la Fressange et de Luigi D'Urso, personnage excentrique et sombre, vous allez le voir. Violette D'Urso est avec nous ce soir. La France a-t-elle basculé dans l'insurrection? Comment on sort du chaos maintenant? Depuis l'intervention d'Emmanuel Macron à la télé mercredi, la contestation s'amplifie, le pays s'embrase. Le président peut-il tenir face à la rue? On pose toutes les questions et on en a beaucoup. Au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran est notre invité de minuit. Et puis il est l'inconnu le plus puissant de France, l'homme qui dirige vraiment le pays dans l'ombre du président, celui qui voulait à tout prix cette réforme des retraites. Et aussi Elisabeth Borne-Matignon, vous le verrez, il s'appelle Alexis Kohler, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Et c'est le sujet du prochain complément d'enquête présenté par Tristan Walex, le nouveau prince de l'investigation. Tristan Walex est avec nous ce soir et on accueille tout de suite une légende vivante de la chanson, une comédienne déjantée, un animateur qui se livre comme jamais, une jeune écrivaine prometteuse et l'homme qui fait trembler la République, Enrico Macias. Lorsqu'elle a mis la gaffe, Violette D'Urso. Only bad chicks riding my whip. Top to the west, to the east, to the north. But my bitches ain't
Mais bonsoir à tous. Bonsoir. Quel plateau éclectique ce soir, vous avez vu. Alors là, c'est vraiment le mélange des genres le plus complet. Éclectique. Enrico, oui. La légende, les années passent, les modes passent, les artistes passent, les trucs passent. Et vous êtes toujours là. Merci beaucoup. Merci. Je suis très heureux. Ouais. Je suis très heureux d'être avec vous, en particulier avec vous. C'est la première pas fois. Pas avec lui, par sympa. Contre. Christophe, oui. Nous, oui, la nous. Première fois qu'on s'est rencontrés, on a pris un fou rire de folie. Oui, mais alors, vous savez pourquoi continue. En 1941. Vous savez pourquoi. Oui. Vous savez pourquoi. Oui. Non, tu sais pas, vous rappelez plus. Si. Non, moi la je me rappelle. De... Non, le gros fou rire. Le gros fou rire, c'est que Enrico, il répondait à une interview, il parlait avec moi, et tout d'un coup, il m'a lâché un macaron comme ça que j'ai pris là. Et on était en direct. Et il continuait à parler. Oh, ouais. Et vas-y, il était content, il me parlait. Moi, j'étais là, j'étais à 4 ans. Sur ma vie, c'était pas. Ah là là, ça, c'est le premier. Je suis mort de rire. Ouais, toi, t'étais mort de rire. Bon, en tout cas, on est content de vous avoir. Merci, on Léa. On est content de vous avoir. Ah oui. Et moi, je suis content qu'il soit loin. Et alors, vous, Laure ? Alors, c'est bien simple. Moi, Laure Calamy, je suis très heureuse de vous avoir. Je vous adore, c'est simple. Je ne vous connais pas bien, mais je vous adore. Votre spontanéité, votre naturel, votre liberté de ton, votre sympathie. Je ne sais pas comment vous le dire. Vous me bouleversez. À chaque fois que je vous vois, vous me bouleversez. Ah ! Simplicité. Je peux postillonner comme je veux. Moi, ça me fait rire. Je vais vous dire. Allez, elle peut postillonner. Non, mais... En veux-tu, en voilà. Oui, mais moi, ben, c'est rare chez moi quand je vois un acteur ou une actrice que je ne connais pas et tout. Et c'est vrai que ça me fait drôle de la voir en vrai. C'est-à-dire bah, ça me fait plaisir. Là, je t'en remercie. Ça me fait plaisir en vrai. Non, ça me fait drôle de la voir en vrai. Je ne sais pas. J'ai été beaucoup regardé, beaucoup apprécié, beaucoup vu. Mm. Et de la voir en vrai, voilà. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose de particulier qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire spontanée, simple. Et voilà. C'est vrai. Ouais. Écoutez, si vous le dites, on va voir. Oui, on va voir. Bah, si, parce que moi, je ne connais pas une femme hein, qui soit connue et qui dit j'en ai bouffé du plastoc en parlant des préservatifs. On verra ça tout à l'heure. Elle a dit ça. Oh. Elle dit ça. Oh. On va en parler. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant Non. Je m'explique là maintenant ou pas? Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlera plastique et autre chose. C'est pas pour vous embêter. Ça va beaucoup intéresser. Le plastique ou... Bon, Laure, je ne sais pas si vous connaissez, je vous présente une jeune écrivaine très prometteuse. Elle s'appelle Violette Dourceau. Bonjour. Enchantée, non, je ne vous connais pas. C'est sa toute première télé. Vous êtes bourrée de talent, vous avez un peu peur? Je suis terrifiée, mais merci pour ce que vous dites. Mais ça va bien. Ça va bien se passer. Enrico, vous connaissez le point commun entre Vincent Lagaffe, Philippe Cavrivière, Patrick Bruel ou Michael Youn? Ils ont un point commun, tous ces types-là. Ouais. Vous le connaissez, mais il ne faut pas dire. Christophe, vous le savez? Vous le savez? Quel est leur point commun? Club Med. Ah oui, bien ils sûr. Ils ont tous été Géo Club Med. Ils ont tous été... Ah, pas moi, mais pas Enrico. Non, pas toi. Je viens de le dire. Mais non, mais pas Enrico. Moi, vous m'avez rendu Géo. Je demande à Enrico s'il connaît... Non, il va falloir suivre, par contre. Bah, il a compris comme moi. Hein. Mais enfin, ça m'arrange pas. Il t'a demandé si tu savais le point commun qu'il y avait entre nous cinq. Ah oui. Ça va être compliqué, ça. On est pas dans la fouille, l'émission. Non, là. Non, pas non, dans la non, fouille, non, ça non, non, entre vous quatre. Pourquoi cinq? Et parce qu'on est quatre, plus trois, cinq. Ah, putain. Ah ouais, non, vraiment, là, l'émission, elle est mal barrée, là. On est dans l'actualité, en fait. Ouais. Ça... Je vais peut-être revenir en faisant bip-bip, hein, tout à l'heure. Hein, Tristan, je suis aussi ravie de vous rencontrer, d'ailleurs, parce qu'on ne se connaît pas. Eh ben, on s'est jamais vu pour de vrai. On la même chaîne, mais on se croise rarement. Exactement, vous avez repris Complément d'enquête il y a 2 ans. Vous avez redynamisé l'émission complètement, qui a fait sa meilleure saison cette année depuis 10 ans. Il faut dire que vous choisissez des sujets, comment dire. C'est-à-dire qu'en un an, vous avez enquêté sur Mimi Marchand, sur les influenceurs, sur Arnaud Lagardère, sur PPDA, sur le Qatar, sur Didier Raoult, sur Depardieu, sur Poutine... Des sujets sulfureux, on va dire. Des sujets consensuels, voilà. Qui ne provoquent aucun recours. Aucune polémique, voilà, aucun rien du tout. Aucune pression?
Ce soir ou en général, vous voulez dire ? En général. En général, si, on a des pressions toujours, mais on aime ça, on est un peu maso quand on fait de l'investigation. C'est normal, le point rouge, là Ce soir, justement, vous êtes là pour nous parler de l'inconnu le plus puissant de France, sur Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée. C'est lui, c'est cet homme qui est vraiment... On va en parler tout à l'heure avec Olivier Véran, etc. C'est l'homme le plus puissant avec Emmanuel Macron. C'est vraiment... Il s'appelle les jumeaux, d'ailleurs. C'est lui qui veut la retraite à 64, ou même il voulait 65 ans. C'est l'homme de l'ombre du président. Effectivement, il n'est pas élu, il n'est pas connu, et pourtant, il décide de tout ou presque. Et là, il a l'air. Hein. Non, mais il a l'air. Il a l'air quoi ? Colère. Bravo. Bravo. Tristan, j'ai une idée de sujet pour votre prochaine enquête, c'est Laure Calamy et sa fascination pour le plastique. Pourquoi, comment, quels sont ses réseaux ? Quelle idée, ouais. Comment on détruit une réputation ? C'est ça. Vincent Lagaffe, je vais commencer avec vous. Quelle vie, quand même. Quelle vie. Alors, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Bon, d'abord, j'ai vu l'autobiographie, je me suis dit, c'est épais, ça, il y a des choses à dire. Eh bien, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. C'est vrai, quand on pense à vous, on pense au Big Deal, on pense à Bip Bip, on pense au lavabo. On est loin de se douter de l'homme qui est derrière l'animateur. Cet homme, on le découvre dans ce livre. Je m'appelais Franck. C'est qui, Franck ? Franck, c'est le petit garçon qui est né le 30 octobre 1959, qui, deux mois plus tard, a été confié à l'assistance publique parce que celle que j'appelle Lucienne, ma mère biologique, s'est bien rendu compte qu'elle ne pourrait pas du tout me faire vivre. Alors voilà, c'est ça qu'on apprend, c'est ça. Ça, c'est vous, c'est votre première photo à l'assistance publique. C'est la première photo de moi et c'est une photo qui a été prise à l'assistance de Mont-Saint-Aignan. Lucienne, elle a 18 ans quand elle tombe amoureuse d'un homme que vous appelez, qui est votre géniteur, que vous appelez le super sale con. Ouais. Parce que il va essayer de la faire avorter. Ouais. Il va pas y parvenir, vous allez vous accrocher. Ouais. Et il va la larguer quand il aura compris qu'elle va garder l'enfant. Ouais, je l'appelle le super sale con. Maintenant, c'est ma manière d'en parler. Mais je l'appelle le sale con et j'en prends l'entière responsabilité parce que Lucienne, elle ne l'a pas appelé le sale con. Elle ne l'a pas appelé du tout. Mais voilà, je dis sale con parce que quand tu as deux gamins et que tu es déjà marié, tu ne pars pas sur une aventure avec une employée de ton service. Qui avait 18 ans, elle vous garde, elle vous aime quand vous arrivez, elle essaye, sauf que c'est difficile d'être femme-mère à 18 ans et elle n'y arrive pas. Fille-mère, oui, complètement. Et puis je tombe gravement malade parce qu'on habite une petite maison où il y a très peu de moyens, très peu de chauffage, il y a beaucoup d'humidité, c'est ce qu'elle me raconte. Et très vite, je perds la moitié d'un poumon. Et vous avez failli mourir plusieurs fois dans votre vie. Hein. Je suis mort deux fois. Ouais. Mais là, notamment à votre naissance. Le cœur s'arrête deux fois, oui. Ouais. Et le cœur s'est arrêté. Oui. Et donc, elle n'en peut plus et elle décide... Elle décide de quoi ? C'est quoi le mot ? De vous confier ou de vous abandonner ? Oui, alors, j'ai écrit « abandonner » et depuis que je fais la promotion de ce livre, je m'aperçois qu'elle ne m'a pas abandonné. Elle m'a confié. Elle m'a mis à l'assistance... Oui, et indirectement, elle m'a sauvé. Parce qu'elle s'est dit, autant qu'il ait toutes ses chances et qu'il tombe dans une famille qui aura la possibilité de lui donner la vie que j'aimerais pouvoir lui donner. Et là, et donc, elle m'a confié. Vous allez rester dans l'orphelinat pendant deux ans. Vous dites, de l'orphelinat, je n'ai qu'un souvenir prégnant, c'est l'odeur de Dettol. Ouais. C'était ce quoi, déodorant, ce désinfectant. Ce désinfectant qu'on mettait partout. Qu'on utilisait autrefois et dont on se sert encore maintenant. Mais c'est vrai que quand je suis retourné à cette assistance publique il y a une dizaine d'années, ça m'a sauté au nez. J'ai dit, mais putain, je connais cette odeur. Je la connais. Au bout de deux ans, c'est long deux ans pour un bébé. Presque deux ans et demi. Ouais, de rester dans un orphelinat. Au bout de deux ans, vous êtes déclaré adoptable. Ouais. Elle est moche, cette expression. Ouais. C'est-à-dire que le 31 mars, je fais un arrêt cardiaque. Le docteur de Minibus met sur la fiche... Qui est le père de Cécile de Minibus. Met sur la fiche médicale mort clinique, 0h15. Ah. Et dans la nuit... Vous revenez à la vie. Je repars. C'est fou. Donc, on est dans la nuit du 31 mars au 1er avril. C'est fou. Le 1er avril, je suis déclaré adoptable. Mon fils Romain est né le 1er avril. Vous serez donc adopté par un couple, François et Monique, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui vont vous adopter, vous. Puis ensuite, votre petite sœur, vous dites, ils rêvaient socialement d'avoir marié deux enfants, un garçon et une fille, ils les ont eus. Sauf qu'ils vont changer votre prénom. C'est à ce moment-là qu'ils vont dire, on va l'appeler Vincent. Et vous dites, ce changement-là m'a marqué durablement dans ma vie. Oui.
C'est, je pense que c'est une erreur de changer le prénom de quelqu'un au bout de 3 ans. Quoi. C'est... Et encore aujourd'hui, je le mets dans le bouquin, quand j'entends quelqu'un appeler Franck dans la rue, je me retourne. Ouais. Je me retourne. Alors, il vous adopte. Comment dire ? Vous dites, vous n'avez pas été brimé par eux, mais votre père était quand même très sévère. J'ai pas été un enfant malheureux. Mais vous n'avez pas été très aimé non plus. Vous dites, j'avais l'impression d'être leur nouvelle bagnole, leur bête de foire qu'ils présentaient à leurs amis. Ils vous oubliaient au supermarché, à l'école, dans le bain, ils vous oubliaient. Ouais, ça, ouais. Ça m'est arrivé avec ma mère aussi. Donc, je... Pardon. Non, mais il faut pas... Mais on attend votre livre. C'est parce qu'on est petit. Mais il arrive. Quand je dis, j'ai pas été mal aimé, mais c'est vrai que je le dis, j'ai aucun souvenir de fou rire avec mon père, et j'ai pas le souvenir de la main qui passe dans la nuque, de la main qui fait ça. J'ai pas le souvenir de la main qui te cherche pour t'emmener promener. La main, c'est pour pas te perdre, mais c'est il y avait pas de tendresse. Ouais, je trouve qu'il y avait pas cette tendresse que j'ai pu donner moi à mon fils, que je vois parmi les parents que je peux fréquenter. D'ailleurs, jusqu'à la fin, vous avez essayé de parler à votre père, de lui faire parler, d'obtenir, d'avoir la conversation avec lui, même quand il était malade. Vous dites, il a jamais parlé. Non, il a jamais voulu me dire quoi que ce soit. Et un jour, c'était sur ses derniers jours, je lui ai dit, mais papa, tu sais, je t'aime. Et ça l'a fait sourire. Il n'arrivait pas à le dire. Je ne sais pas s'il était trop pudique ou quoi, mais... Après, c'est mon père. Et puis, si je suis là, c'est quand même grâce à lui. Et puis, il m'a permis de découvrir plein d'activités. J'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid. J'ai toujours fait du sport. J'ai été soigné, j'ai été habillé. Voilà, je ne suis pas un enfant qui sort de la guerre du Kosovo. Vous leur en voulez, vos parents adoptifs ? Non, j'en veux pas. Je pense que mon père aurait pu expliquer plus simplement que chaque fois avec ses mains. Mmh. Il expliquait bien, mon père, mais c'était chaque fois... Ça balance un peu sur le père, quand même. Hein? Ça balance un peu sur le père. Oui, violent. Il était violent. Oui, mais après, il était comme ça. Et comme je lis dans le bouquin, tu penses pas comme lui, t'es un con, tu gagnes pas comme lui, t'es un raté, tu gagnes plus que lui, t'es un tricheur. Donc vous étiez quoi ? Vous étiez un tricheur à la fin, non ? Pardon ? Vous étiez un tricheur à la fin ? Non, il a été très fier de voir que... Il ne comprenait pas comment on pouvait gagner autant d'argent en faisant le clown. Ça, c'est un truc qu'il n'a jamais compris. Alors, en tout cas, ça donne une enfance assez solitaire, une scolarité chaotique. Vous changez d'école à chaque rentrée. Bon, le bac... Le lycée à Aix-en-Provence, je les ai tous faits. Le bac... Ben pour moi, le bac, c'est un bateau. Voilà. Vous êtes ado, obsédé par une chose, vous barrez. Vous barrez de cette vie, vous barrez de la maison. Vous allez d'ailleurs devenir soudeur. Ouais. Et à l'occasion d'un chantier, vous découvrez, vous atterrissez au Club Med. Ouais. Et là, le Club Med, vous dites, ça a été le goulag du bonheur. Ah oui. C'est-à-dire ? Ben, t'es condamné à être heureux. Ah ouais, ça, tu ne peux pas faire autre chose. T'es au soleil, t'es avec des gens qui se tutoient, t'es avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de passer de bonnes vacances, rencontrer des gens... Et c'est la meilleure formation pour devenir animateur télé. C'est-à-dire que vous montez sur scène le soir pour amuser les clients et les clientes. Certes. Il n'y a pas une école de théâtre en France et même au monde où tu es tous les jours son, lumière, déco, costumerie et un public. Et des chorégraphes et des metteurs en scène. Et... Ouais, c'est extraordinaire. Et là, vous dites, c'est là où je veux être. Je veux être sur scène, quoi. Je veux... Je prenais grand plaisir à... C'est un grand kiff que de se faire applaudir. Mm. Je suis devenu très cabot avec ça. Mm. Et alors, j'ai très vite compris les ficelles du métier en me disant, celui qui se fait généralement le plus applaudir, c'est celui qui arrive en dernier. Et donc, vous passiez... Voilà, je me démerdais toujours pour... Non, mais vas-y. Faut que je regarde le truc. Et à la fin, voilà. Vous tombez amoureux pour la première fois au Club Med ? Oui, je suis tombé... On peut tomber amoureux au Club Med. Je suis tombé c'est pas trop... que pour pécho. Alors, en plus, à cette époque-là, on n'avait pas tous ces problèmes de sida, on n'avait pas le plastique, on n'était pas emmerdés avec tout ça. Il y a un truc qui s'appelle la grossesse, quand même. Enfin bon. Ouais, mais on était équipés. Mais enfin, non, c'est vrai que ouais, c'est l'école du pêchage, quoi. Ça, c'est sûr. Enfin, je dis ça comme si je connaissais. Ouais. Je vois, ouais. Dans une autre vie. Le Club Med, ça va durer 8 ans. Et ensuite, vous allez tenter votre vie à la capitale, à Paris. Ouais. Vous commencez dans des cabarets, dans des salles de spectacle. Vous cherchez le cachet. Et puis, on va le voir derrière moi. Il va y avoir la classe.
Ouais. Fabrice. Exactement. Sur FR3, vous commencez avec. Vous aussi, ah ouais. Vous êtes mieux aujourd'hui, hein? Ben, je. C'est vrai que je n'avais absolument aucun sens du ridicule. Donc, je me permettais absolument tout. Et je me foutais totalement de ce qu'on pouvait penser, puisque de toute façon, là où je suis, j'y suis arrivé tout seul. Et on ne m'a jamais ouvert la porte. On m'a plus souvent mis dans la gueule. Alors, au début, vous galérez un peu. Vous avez du mal à trouver votre voix. Et puis, arrive ça. L'année suivante, tu reviens, tu gardes la même musique, tu changes les paroles. Lavabo, on est en 1900, vous en souvenez de ça? Ouais. On est en 1990 et c'est le carton absolu. 1 million d'exemplaires vendus, vous êtes numéro 1 au top 50 pendant 6 semaines. Là, vous explosez. L'histoire du disque est rigolote. Hein. Ouais. L'histoire de comment il l'a fait, comment les banquiers à qui il demandait 40 000 balles, francs à l'époque, pour pouvoir produire le disque, lui disaient « mais vous êtes gentil, mais avec une merde pareille, grosso modo, allez voir ailleurs ». Et finalement, c'est le père d'une... C'est l'autre banquier ? Oui, l'autre banquier, mais qui personnellement a mis son argent à lui, qui vous a prêté 40 000 balles. Il fallait 40 000 francs pour faire la pochette, le disque, le pressage, l'imprimerie, etc. Donc je vais au... On peut citer les banques ? Oui. Oui, oui. Donc je vais au Crédit Lyonnais, boulevard Victor Hugo. Fallait pas ? Monsieur, monsieur. Et je suis le con du dîner. C'est-à-dire que j'explique au mec que je veux faire un disque. Oui, c'est très bien, vous êtes musicien, non? Et comment il s'appelle, votre disque? Le lavabo. Et il dit, bougez pas, je reviens. René, viens voir, viens voir. Vas-y, re-raconte devant mon copain. Et je me rends pas compte tout de suite que je suis le con du dîner. Et donc, finalement, il me dit non, je traverse la rue, je vais au Crédit Agricole, je rencontre Jean-Claude Duc, qui me dit, est-ce que vous avez des garanties? J'ai dit, ouais, j'ai une coccinelle dehors, c'est tout ce que j'ai. Sinon, j'habite sur le canapé de ma grand-mère, donc au niveau garantie. Et il me dit, mais je vous connais. J'ai dit, ben, je passe à la classe. Mes filles vous adorent. Je ne peux pas vous prêter de l'argent parce que vous n'avez pas de garantie, mais je crois en votre projet, je vous prête, moi, 40 000 francs. Et vous l'avez remboursé? Mais non seulement je l'ai remboursé, il est devenu, jusqu'à la fin de sa vie, le mec qui s'occupait de mes affaires. Ah, magnifique. C'est vrai qu'il se paraît. Quand il a touché ses premières royalties pour cette œuvre, hein. Ah mais t'as lu le bouquin en entier, mais... ça me fait plaisir. Ah non, oui, non. Oui, oui. Ah non, Vincent. Ah ben non, elle me laisse pas parler, mais. Non, mais c'est. Oui. Non, justement... ça me fait vraiment plaisir. Oui, je te jure. Que... Mais je sais, mais c'est. Non, dites-lui que vous avez lu et que vous avez aimé. Ben, ça y est, je viens de le dire. Ouais, complètement. Sourde en plus. En plus. Elle n'est pas gagnée, l'émission. Non, elle n'est pas gagnée. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est chaque jour une échelle. L'échelle est haute, mais je grimpe. Et c'est vrai que ce que dit Christophe, quand j'ai touché mon premier chèque de la SACEM, j'ai pris un énorme chèque. Et du coup, j'ai appelé la SACEM en disant, il n'y a pas une erreur. Elle m'a dit, non, c'est le 5e de ce que vous allez toucher. Donc je dis, tiens, je viens de toucher le loto, je n'ai pas joué. Donc je me pointe au Crédit Lyonnais, je dis, bonjour, vous me reconnaissez? Il me dit, oui, tout à fait. Je dis, tu peux appeler ton copain? Donc il a appelé son copain, j'ai sorti le chèque, je lui ai montré. J'ai pas lâché, il m'a dit, je peux quoi pour vous? Je dis, juste, tu peux le regarder. Et puis j'ai traversé tout le boulevard comme ça. Là commencent les années de TF1. Là, vous proposez le big deal à Patrick Lelay en étant habillé en queue de pie rose, enfin, un truc improbable. Ouais. Vous lui dites, il y aura un extraterrestre qui fera la voix, etc. On va voir vos looks d'ailleurs sur le big deal. Il faut se rappeler quand même que le big deal, peut-être... Christophe, vous pouvez rappeler ce que c'était? C'était 7 millions de téléspectateurs en moyenne tous les jours. Vous faisiez des pointes à 10 millions. C'est un truc qui est inatteignable aujourd'hui. C'était vraiment immense. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Vous n'avez pas pété les plombs, si. Les années TF1? Bah, bien sûr. Bien sûr. Oui, j'ai pété les plombs parce que... C'est vrai que j'ai toujours eu mon franc-parler. J'ai toujours eu la gouaille. J'ai toujours... je dis ce que je pense, je fais ce que je dis et rabais QQA, ce que j'ai tatoué sur mon mollet. Alors, c'est, attendez, pour ceux qui ne savent pas. Rien à branler. Rien à branler, voilà. Quoi qu'il. Voilà. Vous l'avez vraiment sur votre mollet? Oui. C'est votre. C'est... Rien à branler, quoi. Vous montrez-nous, bah oui. Voilà. Rien à branler, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est pas sur son mollet, déconnez pas. Non, c'est l'autre.
Là, il y a marqué RAB Cultura. Ouais. Très belle image télévisuelle. Alors attends, j'en ai un autre. Oui, j'ai tatoué RABQQA qui veut dire, comme tu l'as dit, rien à branler, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai toujours dit, mais on n'en a rien à foutre, fait, on verra bien, on se plante, on se plante. Quand tu t'aperçois que t'es une des plus grosses recettes publicitaires de la chaîne, tant que vous rapportez autant d'argent, on vous passe toutes vos folies. Et c'est pour ça qu'ils vous ont viré, vous pensez, à la fin ? À la fin, ils n'ont pas renouvelé le contrat parce qu'ils se sont dit, on n'en peut plus. Et parce que ça marche moins bien. Et puis ça marche moins bien. Voilà. Et puis ça tombe. Et j'ai passé 18 ans à faire ces. Peut-être pas ces audiences-là, mais 18 ans à 19h sur TF1. Il y a aussi un moment où j'avais envie de faire un peu autre chose. Mais il est vrai que. Oui, tout le monde le disait. Hervé Hubert, mon producteur, le disait. Mouchotte le disait. Le disait. Vous dites, j'étais devenu trop casse-couille. Oui, j'étais devenu casse-couille. Et je le suis toujours. Et j'ai pas envie de changer. Ouais. Les souffrances de l'enfance, et je voudrais revenir à l'enfance, parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment bouleversée dans votre livre. Là, vous êtes une maman. Pas seulement, je pense que même si je n'étais pas une maman, on est touché par... Oui, la preuve, c'est que je ne suis pas une maman et que j'étais très touché. Non, mais c'est vrai. Non, mais pardon. C'est vrai. Je dis la vérité. Le passé est très touchant, en fait. C'est très touchant parce que ça, c'était quand même des galipettes à peu près régulières. Tu dis que tu n'as pas fait une seule école deux années de suite, enfin, puis toute l'enfance, et puis l'adoption, puis le père. Parce que là, tu en parles avec beaucoup d'émotion. Et c'est marrant parce que quand on lit, on ne sent pas autant d'émotion. Quand on lit ce que tu dis sur François. C'est vrai. Voilà. Mais là, depuis quelques jours où je suis en promotion pour ce bouquin, c'est vrai que je m'aperçois vraiment qu'il y a des blessures qui ne se refermeront absolument jamais. Les blessures d'enfance, elles sont toujours là, vous dites. Ouais. Et elles ont été là, elles vous ont accompagné toute votre vie. Vous avez retrouvé votre mère biologique. Ouais. Des années plus tard, ouais. À plus de 50 ans, vous l'avez cherchée, ouais. Et vous l'avez retrouvée. Ouais. Vous avez le procureur qui vous a passé sous le manteau, ouais. Le nom, son adresse. Ouais. Vous l'appelez, ouais. Vous faites 1000 km pour aller la retrouver. Et je me fais jeter. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Dégage. Pourquoi ? Elle me dit, je sais, je lui dis, madame, est-ce qu'on peut se parler ? Elle me dit, non, j'ai rien à vous dire, monsieur. J'ai dit, mais vous savez qui je suis ? Et j'oublie que je suis la gaffe. Pour moi, j'ai envie de lui dire, mais tu sais que je suis ton fils ? Et elle me dit, oui, je sais parfaitement qui vous êtes, monsieur, je vais vous demander de partir. Et là, tu te dis, mais... Donc je retourne dans la bagnole, je fonds en larmes. Et Nat, elle me dit, attends, on n'a pas fait 1000 bornes. Et puis, comme votre disait femme. Bigard, tu cales pas à 3 mètres du bol de sangria. On est arrivé là, tu y vas. Donc Google est mon ami, on trouve le numéro de téléphone, j'appelle et je lui dis, écoutez, ne raccrochez pas. Juste, je viens de vous voir devant votre portail. Avant que vous raccrochiez, je vais vous dire, je suis né le 30 octobre 59 et je m'appelais Franck. Et là, elle me dit, oh, je savais que vous alliez m'appeler. Retrouvez-moi cet après-midi à tel endroit, j'ai besoin de vous parler. Et là, vous y allez. Là, j'y vais, on se présente et elle me parle pendant 6 heures. Sans que je la coupe. Et elle vous raconte toute sa vie d'enfer, parce qu'elle a eu une vie très de sa naissance à notre rencontre. Et s'il y en a qui pensent qu'ils ont des vies de merde, lisez le bouquin. Ça calme. Je veux pas... Mais je peux pas imaginer qu'elle ait pu vivre ça. C'est... Waouh ! Alors quelque part, je me dis, ben ouais, j'ai récupéré tout ça, et j'ai récupéré toute cette colère, toute cette arme, toute cette haine, toute cette haine. Et du coup, je me fous totalement de ce qu'on pense de moi. Je fais ma vie, j'avance. Ça te plaît pas ? Rien à branler. Surtout, ce que vous comprenez, c'est qu'elle vous a aimé. Ah elle oui. Vous a aimé tellement qu'elle a donné le prénom Franck à des enfants qu'elle aura plus tard, oui. À un jumeau qui va aussi lui être retiré. Il faut lire le livre pour voir l'horreur. Et ensuite, à un fils, elle va finir par se marier, avoir un enfant qu'elle va garder, ouais. Qui s'appelle Franck. Ouais. Donc, elle vous a jamais oublié, en fait. Non, ouais, j'ai été un enfant qui a connu l'amour. Et qui n'a pas pu en profiter. Mais elle m'a aimé pendant un mois et demi, deux mois. Elle m'a vraiment aimé et elle m'a tellement aimé que plutôt que de prendre le risque de faire de moi une racaille qui traîne dans la rue, elle a préféré me confier à l'assistance en espérant que je tombe dans une bonne famille. Vous l'avez vue une fois, revue une fois et plus du tout. Plus jamais. Pourtant, elle vit toujours. Oui. Vous allez avant de sortir le livre, j'ai demandé à des copains flics de faire une enquête pour savoir si elle était toujours vivante. Elle est toujours vivante. Vous allez lui envoyer le livre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je crains le plus, c'est que son fils lise ce bouquin et se dise « Mais attends, c'est quoi l'histoire, là ?» Ça va être dur pour lui. Christophe ? Rien à rajouter. Ça va être dur pour lui. –
Paul de Saint-Sernin. Vincent Lagaffe, dans ce livre, vous racontez une adoption réussie, finalement, et je voulais savoir si vous aviez des conseils à donner, parce que j'ai une amie qui rêve d'être adoptée en ce moment. Elle s'appelle Motion de Censure. Pour finir, on a une petite surprise pour vous. On a une petite surprise pour vous, Vincent. Votre maman. Non, un petit message, on écoute. Vincent, mon ami Vincent, c'est moi, c'est Bill. Pas Bill, Bill. Tu sais, le truc bleu avec des grandes oreilles, c'est moi. Je voulais te poser une question, mon ami Vincent. Où as-tu rangé ma soucoupe? Ça va faire 19 ans que je la cherche et je ne la trouve toujours pas. Tu serais gentil de me donner l'adresse, que je puisse retourner vivre dedans. Je t'embrasse très très fort, mon ami Vincent. Et d'ailleurs, si tu pouvais aussi embrasser Léa Salamé, qui est juste à côté de toi, je la trouve vraiment trop jolie. Oh. On remercie Gilles Boquet. C'est lui qui faisait la voix de Bill dans le Big Comme Deal. Comme il se définissait lui-même, c'est l'inconnu le plus célèbre de France. Ouais. C'est très mignon. Je m'appelais Franck. Étonnante. Étonnante autobiographie de Vincent Lagaffe. Vraiment, sincèrement, je ne vous attendais pas là. Lisez, c'est passionnant. Vous en avez eu une sacrée vie. Et il y a un truc que j'ai oublié de mettre dedans, qui est mon plus grand regret dans le show business, c'est de ne jamais avoir eu l'occasion de co-animer un truc avec Christophe. C'est trop gentil. C'est un de mes grands regrets. C'est vraiment. Vrai, ça? Ah ouais, vraiment, j'aurais adoré. C'est gentil. Ça aurait été dangereux pour la chaîne, mais. Ah oui, parce que vous deux en même temps, là, je sais pas. Voilà. Mais. C'est un grand. Vous voulez que je vous laisse ma place? J'ai pas votre talent et j'ai pas votre culture, j'ai pas votre beauté, j'ai rien de tout ça. Non, en plus, la dernière émission où il y avait Éric Zemmour, j'ai bien compris que dès que vous partez, faites gaffe, il va vous piquer la place. Ah, c'est l'inverse, c'est de la proposer à quelqu'un d'autre. Oui, elle c'est propose ça. Toujours sa place à quelqu'un d'autre. Pas à moi. Pas à moi. Oh, le pauvre. C'est pas grave, on est habitué à en prendre. Hein. Ouais. On en vient à vous, Laure Calamy. Ah, le plastique. Révélé au théâtre, vous avez explosé grâce à votre rôle dans 10% qui vous a rendu très populaire. Vous avez reçu à la fois le César de la meilleure actrice, le Molière de la meilleure comédienne et depuis vous êtes incontournable parce que vous illuminez tous les films auxquels vous participez par cette espèce d'aura, de grâce singulière, sympathique, naturelle, franche qu'on aime, que moi j'adore. Et ça marche encore dans le film que vous venez nous présenter ce soir, Bonne Conduite de Jonathan Barré avec le Palmacho, Tchéki Cario, Olivier Marchal, Thomas VDB, un casting de fou. Ragnar Le Breton qu'on avait reçu ici, ouais. Super casting, l'histoire c'est simple, vous êtes Pauline, une formatrice dans un centre de récupération de points qui a perdu son compagnon dans un accident de route et qui a décidé de se venger en éliminant tous les chauffards. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ouais. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure, là. Je savais bien quand vous êtes émoustillé comme ça, là. Là, on avance. Allez. Allez, putain, c'est lent, cette merde. Vincent Lagaffe vous a dit « Ah, mais c'est une comédie !» Eh bien, c'est les deux. C'est à la fois une comédie loufoque, hyper drôle, baroque, etc. Et c'est aussi quelque chose de profond qui parle de la complexité de l'âme humaine. Parce que vous êtes à la fois une serial killeuse et à la fois vous tuez les méchants. Donc, où est le bien, où est le mal? Ouais, c'est toute la question. Ouais, c'est assez impoli là-dessus. Et puis, c'est aussi quand est-ce qu'on fait le deuil, en fait. Elle n'arrive pas à faire le deuil, cette femme. Mais, et deuil puis, de son compagnon. De son compagnon. À qui elle parle tout le temps.
Et voilà. Ça donne des scènes très poétiques où vous parlez à sa photo, en fait. Mm-hmm. Et donc, ce soir, on vous l'a mis là. Parce que votre compagnon, c'est Thomas Ndigel. Et c'est pour ça. Elle l'a partout, en photo. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est le génie de Jonathan Barré et de Thomas Ndigel qui a fait vraiment des super poses. Vraiment, non, mais il est génial, quoi. À chaque fois, voilà, je le mets dans ma cuisine, il me regarde en train de cuisiner. Quand je dors, il me regarde pendant que je dors. On se brosse les dents ensemble. Enfin, bon, voilà. Il y a un peu, à la fois, comme une espèce de comédie romantique, un peu avec Thomas VDB. Voilà, il y a plusieurs tons et plusieurs grammaires de cinéma, en fait, dans ce film. Et voilà, donc avec Thomas... Il y a quelque chose, c'est assez mélancolique d'un coup. Enfin, il y a... Mais bon, après, Thomas VDB, hein, c'est vraiment... Voilà, c'est je quoi l'adore. Ah ben non, mais il est extrêmement drôle et touchant. Enfin, il a un truc... Il vous plaît ? Oui, mais non, mais je l'adore parce que c'est vraiment. Puis son personnage, c'est vraiment, je sais pas, 1000 Labrador chiots en même temps, quoi. Il est vraiment. On a envie de. de le recueillir, de. Enfin bon, voilà. Bref. Pardon. J'espère qu'il nous regarde ce soir. Moi, je sais pas quoi vous dire. Non, parce que cette dame, quand elle est arrivée à Paris, quand elle était jeune, elle suivait les garçons qui lui plaisaient dans la rue. Ah ouais, seul. Ah ouais, déjà bien allumé. Hein. Et ses copains, ses copines. J'ai raconté une histoire, oui, où j'étais, voilà. Non, j'étais au lycée, j'avais fantasmé vraiment sur un jeune prof de philo qui avait un peu la vie que je voulais avoir. Voilà. Et vous l'avez suivi. Et à la fois, il était prof de philo. Alors, j'ambitionnais pas d'être prof de philo. Par contre, il faisait du cinéma, il écrivait avec des scénarios, etc. Donc, voilà, il vivait à Paris. Moi, je fantasmais complètement. À l'époque, il y avait la pub Biop avec un mec sur les toits, comme ça. Rien que ça, j'étais là, je vais vivre à Paris. Enfin, j'ai l'impression que. Et puis, j'avais vu le film de Romère où il y avait Lucchini qui disait, qui était prof de philo, justement, et qui disait, ben voilà, je préfère tous les soirs. Il était prof de philo à Orléans, pardon. Et donc, il faisait l'aller-retour, il expliquait. Qui faisait l'aller-retour tous les jours parce qu'il préférait être à Paris, même si c'était pour rester chez lui et lire un bouquin, parce qu'il y avait la vie possible en bas de chez lui, l'aventure en bas de chez lui. Enfin voilà. En province, moi j'étais à côté d'Orléans, je peux vous dire qu'on se faisait bien chier. Donc voilà. Et donc j'ai décidé de. Je me suis dit, je suis vivante en même temps que ce mec. Rien ne m'empêchera de faire sa connaissance. Et donc vous l'avez suivi, hein. Je l'ai suivi dans le train, j'ai fait le Paris-Orléans, Orléans-Paris, en inventant que j'allais voir ma mère qui était là-bas, enfin n'importe quoi. Et voilà, et donc j'ai fini par assez vite le rencontrer. Et c'est passé un truc ou non ? Faire connaissance. Allez ! Ouais ! Bah ouais ! Par contre, vous aimez bien jouer les femmes amorales dans les films. Mm-hmm. Ça vous dit, à passer 30-35 ans, on autorise aux femmes de jouer un peu la folie, quoi, le côté oui, ou alors quand on est adolescente. Soit adolescente parce que voilà, on est censé, on a droit voilà, à tous les débordements et ce qu'on appelle l'hystérie, ce qui m'agace, mais enfin toutes les colères, toutes les révoltes de vouloir se départir des rôles qu'on veut nous faire jouer. Et puis après, quand on a passé 35 ans, souvent les mères débordées qui d'un coup vont péter des câbles et vont et amener vers Ou que les personnages aient des métiers, c'est important. Oui. Alors, c'est là où vous voulez revenir au plastique. Non, c'est pas ça. Ouais. Alors, vous êtes totalement obsédé, pas du tout. Ah, non, non. Bah, écoutez... Non, c'est parce que j'ai lu dans vos interviews que vous aimiez que vos personnages aient des métiers. Ça n'a rien à voir avec les capotes. Non, mais on... Quand le sida est apparu, il y avait un slogan qui était ce qu'il était. Hein. Ils ont le fait sida pas... ne passera pas par moi. On voyait quelqu'un qui cassait une barre rouge très qui disait clair. Le sida ne passera pas par moi. Et son père, qui était médecin à l'hôpital public, si je ne m'abuse, était vert de voir aussi peu qu'on parle un aussi message peu, aussi, et un message aussi naze. Aussi nul. Voilà, aussi nul, pour une maladie qui était aussi grave, etc. Donc, et il a donc convaincu sa fille qu'il fallait effectivement faire très très attention et se protéger. Et j'ai lu qu'elle avait répondu, sa fille, c'est la personne qui est ici, hein, et qu'elle avait répondu, ah ben ça oui, effectivement, il fallait se protéger, mais toujours une capote qui m'a dit, oh j'en ai bouffé du plastoc, c'est pas moi qui l'ai inventé quand même. Vous avez répondu ça à votre père ? Alors, faut porter plainte contre le journaliste. Non, j'ai pas dit ça à mon père. Non. Pardon, vous avez répondu à une interview. Mais en fait, attendez, ce message qui était vraiment, vraiment pas du tout concret, qui n'expliquait rien, il n'y avait aucune vraie prévention. Et mon père voyait effectivement ce qui était terrible.
à l'époque, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui mouraient, évidemment, et des jeunes gens. Beaucoup de... Voilà. Et donc, il a pris cette décision d'aller... personne ne lui avait demandé d'aller dans les collèges, dans les lycées, etc., faire de la prévention, expliquer ce que c'était que le sida de manière concrète, expliquer concrètement... Comment on pouvait se protéger. Voilà, comment la capote, etc. Et ça tombe bien, parce que c'est le SIDAction ce soir. Juste avant nous, c'était la grande soirée du SIDAction. Donc, il faut continuer de donner... Voilà, je le dis au passage, c'est pas fini. Alors, les promesses, c'est bien, mais... Les dons, les vrais dons, c'est bien. C'est marrant que vous parliez de son père, parce que vous en parlez souvent de votre père. Vous dites ce sentiment d'urgence que j'ai, et on vous voit tout le temps, votre énergie, votre vivacité. Ça vient de lui. Il était persuadé qu'il allait mourir à 42 ans, votre père, et il vous a passé cette crainte-là. C'est ça qui s'est passé. Oui, parce qu'il a lui-même a perdu son père. Bon, donc quand il avait 12 ans, et voilà, son père avait 42 ans. Et voilà. Et donc oui, il avait quelque chose comme ça. Puis moi, après, c'est vrai que. C'était dans l'ordre des choses où ça dépendait, mais enfin, j'ai eu plusieurs personnes que j'aimais beaucoup au cours de mon adolescence qui sont décédées, et d'un coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de la présence de la mort qui d'un coup m'a même pour choisir des projets, pour n'importe quoi, enfin même tout simplement pour suivre mon désir d'être actrice, je me disais si tu meurs là demain. Qu'est-ce que t'aurais aimé faire, enfin, et donc vas-y, j'y vais. C'est comme suivre les garçons ou être actrice. C'est tout ça en fait. C'est une urgence de vivre parce que la vie est fragile. Et ça vous a réussi. La vie est belle, il faut en profiter. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Ça vous a réussi. C'est vrai qu'enfant, quand on vous disait t'as un garçon manqué, vous répondiez non, je suis une fille réussie. J'aime bien cette phrase, c'est joli. Non, c'est ce que je me suis dit après, voilà. Enfin, ce que je me suis dit, non, je le disais, je répondais pas immédiatement aux gens ça, mais bon, oui, je me disais, je veux être une fille réussie, j'en ai marre. Oui, jeunesse de garçon manqué quand même. Oui, mais tout simplement parce que c'est vrai que je n'ai jamais voulu jouer à la poupée, enfin des trucs, j'étais en dehors, j'avais envie de jouer à l'aventure, de partir. Je voulais être un peu un animal, un peu une enfant sauvage. D'où elle vous vient cette liberté que vous avez ? Vous refusez l'injonction sociale de vouloir absolument avoir des enfants en disant... c'est cette injonction sociale qui voudrait dire qu'une femme accomplie serait une femme avec enfant. Vous refusez des choses. Vous êtes très entière. Votre liberté, elle vient d'où ? Vous savez, c'est pas... dire ça, par exemple, c'est aussi beaucoup de questionnements et c'est beaucoup de choses qu'on interroge sur sa propre histoire. Et excusez-moi. Non, moi c'était. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui se. Une liberté, elle se construit par des choix de ce qui vous arrive dans la vie, des choix que vous avez faits, justement. Excusez-moi, je me perds un peu. Non, pas de souci. Paul, pour vous redonner le sourire. Ouais, excusez-moi. Paul Le Sancernin. Non, en fait, pour faire les enfants, il faut enlever le plastique, juste, voilà. Il est con. Merci. Comme vous êtes formatrice dans le film, dans une auto-école, on va vous faire une interview bonne conduite. Voilà. Quand vous vous retournez sur votre carrière, Laure Calamy, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que vous en avez sous le capot ? Finalement, grâce aux rôles, aux choses que j'ai... toutes les aventures que j'ai eues, j'ai découvert d'autres pistons, d'autres vitesses. J'ai vu que j'avais une sixième vitesse. Est-ce qu'à un moment, vous avez dit que vous étiez au point mort ? Ah ouais, plein de fois même, je me suis dit en panne sèche, ouais. Elle remonte quand, votre dernière sortie de route ? En Bretagne, quand je m'hydratais un peu trop. Et ça s'appelle se mettre sur le capot. Ça s'appelle ça, parce que c'est tourné en Bretagne, en bonne conduite. Oui, vous avez adoré. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas. Oui, le film. Attention, à Douarnenez. C'est bien. En majorité. Et aussi, attendez, à Douarnenez. Et à la fin, on a quand même fini à Gif-sur-Yvette. Petit rapport avec l'actualité. À Gif-sur-Yvette. Non, à Gif-sur-Yvette.
Au centre de formation de la CGT. J'ai adoré tourner là-bas. Je trouvais ça génial. Là, vous me faites une transition parce que vous avez signé la pétition avec tous les artistes qui ont signé, Juliette Binoche, Jonathan Cohen, Bérénice Bejo. Enfin, il y a 300 artistes qui ont signé, Laroussin également, une tribune pour demander le retrait de la réforme des retraites. Pourquoi ? Pourquoi ? Et ouais. Non, mais parce que déjà, ce passage en force du 49.3 est vraiment insupportable. Cette réforme et retour en arrière qui concerne les retraites est absolument inaudible parce que, d'abord, des solutions ont été proposées. Par exemple, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce serait 6 milliards. Je veux dire, il y a des tas de solutions. Et en fait, c'est tout simplement une volonté politique. Point. C'est pas, y a pas un déficit, comme on nous dit tout le temps, trou de la sécu, trou de... Non, l'hôpital, déficit, non. C'est une volonté politique de donner que l'argent... Tout l'argent de nos impôts sert à ça, à ce qu'on est dans un pays justement exemplaire. Ouais, dans d'autres pays, il n'y a pas la sécurité sociale. Mais soyons un modèle, bordel. Donc, il y a quelque chose... Enfin, pardon. C'est quand même quelque chose qui caractérise ce qu'on enviait à la France. Je veux dire, c'est le modèle social qui a été créé au sortir de la guerre dans un pays ruiné. Alors, quand ils nous font des comparaisons avec... Oui, mais aujourd'hui, les boomers... Il y a plus de vieux à la retraite que, enfin bref, pour payer les retraites. D'abord, les boomers, ils sont là, c'est déjà fait. Et en plus, ça ne prend pas en compte le PIB. Enfin bref, c'est tout. C'est là... des tas de choses quand on s'y intéresse. On voit bien à quel point ce sont des mensonges. C'est tout simplement parce qu'on veut privatiser la santé. On veut que les gens paient pour avoir une mutuelle, avoir machin. Je veux dire, c'est tout. Ah non, vous êtes vraiment archi contre et ça vous énerve. Tout à l'heure, on va recevoir Olivier Véran. Vous allez devoir partir, donc vous n'allez pas lui parler, mais on va le recevoir. Si vous aviez un truc à lui dire. Je vais rester en fait. Bah oui, bien sûr. Vous restez, bienvenue. Mais si, il faut rester. Non, je dois partir. Mais parce que vous nous avez prévenu que vous aviez un rendez-vous. Mais... c'est quoi ? S'il y avait un message, ce serait quoi ? Retirer cette retraite, cette réforme. Prenez votre retraite, ce serait... Prenez votre retraite, exactement. Oui. Le trait de caractère que vous détestez chez les autres, et ça ne s'entend pas du tout, c'est le fait de rester calme, quoi qu'il arrive. votre geste écolo, non, j'ai pris 2-3 bricoles sur un questionnaire qu'on vous a fait, c'est de faire du compost sur votre balcon. Qu'est-ce que vous mettez sur votre balcon, en vrai ? Tout. Tout. Mais vous ne mettez pas, par exemple, dans votre compost, est-ce que vous mettez les peaux d'orange, par exemple ? Non. Très bien. Pas... Ah, j'adore. Il fait un test. Ouais. Pourquoi faut pas mettre les peaux d'orange ? Non, pas les peaux d'orange. Pas tout ce qui est les polices et épaisses. Voilà, les bananes non plus. Voilà. Enfin, les peaux. Comme ça. Ouais. Les peaux. Oui, et puis les bananes, on les becte en même temps. Voilà. Votre devise, c'est « En avant toujours », dit par votre maman en béarnais. Oui. Ça fait... « Endaban tousten ». Ah, bah, okay, voilà. Super. Ils vont être contents dans le béarnais. Et votre Madeleine de Proust, tout à l'heure, Vincent en parlait avec l'odeur des désinfectants. Vous, c'est l'odeur du fumier. C'est vrai ? J'adore, moi aussi. Parce que c'est... En fait, mes grands-parents du côté de ma mère, Fernand et Thérèse, qui étaient des petits paysans, dans le Béarn. Du Béarn ? Ouais, du Béarn, à La Rouen. Le Béarn. Ils sont contents que je dise. Le Béarn. et voilà. Et donc, pour moi, en fait... Mon grand-père, ma grand-mère là-bas, c'était vraiment... c'est mes plus beaux souvenirs... Enfin, dans mes plus beaux souvenirs d'enfance, quoi. Et j'adorais... j'adorais tous leurs animaux. Mon grand-père qui me fabriquait un arc, qui me laissait... En fait, il me laissait beaucoup de liberté. Je pense que ma liberté, elle vient aussi d'une éducation. Mais mes parents aussi me laissaient beaucoup de liberté. Alors, parfois, peut-être, on pouvait dire trop, parce qu'ils me laissaient faire des trucs, peut-être un peu risqués. Enfin, aujourd'hui, je pense... Mais en tout cas, je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, ça responsabilise aussi... l'enfant, je trouve, face à... Peut-être on est trop... Non, ça va, c'est très bien. Oui, trop long, la réponse. Non, c'est bien. Bonne conduite de Jonathan Barré avec vous, Laure Calamy, Thomas Bébé, Grégoire Ludic et David Marseille du Paul Macho. Et un casting incroyable. Ça sort mercredi, allez-y. Paul de Saint-Sernin. Laure Calamy, si je vous dis chauffard et accident de voiture, est-ce que vous pensez à votre film avec le Paul Macho ou au fait qu'en ce moment, pour Palmade, c'est chaud ? –
Foutez-lui la paix. Ça s'est passé, ça? Foutez-lui la paix, vous dites? Ouais. Vous, vous dites... vous avez commencé avec lui, Pierre Palmade. Oui, oui, moi, j'ai bossé. On n'a jamais été des amis, mais on a commencé ensemble à la classe. Je l'ai emmené faire des premières parties en Belgique et dans le monde. C'est dramatique, ce qui lui arrive, mais foutez-lui la paix. Ce qu'il a fait aussi est dramatique. Ce qu'il a fait... Mais foutez-lui la paix. Il n'y a rien à dire. Juste laisser la justice faire ses choses et n'en rajoutez pas. La légende Enrico Macias est avec nous ce soir. Le Michel Drucker de la chanson française. 60 ans de carrière, je le disais, 50 millions de disques vendus, l'homme qui a popularisé la musique orientale en France. Et alors vous, la retraite, c'est pas du tout pour vous. Hein. La quoi, la retraite? La retraite, c'est pas du tout votre sujet. C'est pas 84 ans que je prends ma retraite. Non, c'est trop tôt. La semaine dernière, on s'est fait plaisir avec Patrick Bruel. Là, ce soir, on va se faire plaisir avec vous. Juste pour le public, pour ceux qui nous regardent ce soir. Allez. Les chansons qui nous ont fait rêver. On commence avec ça. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Et ça aussi. Tellement joli les filles de mon pays. Laï 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï 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 laï. Et ça encore. Et on m'appelle. Mais l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains. Bravo. Magnifique. Vous sentez quoi quand vous vous voyez là, à 20 ans, à 25 ans? Parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis c'est formidable que les jeunes, maintenant, puissent se mettre à la place du public que j'avais au début. Mais ça, c'est fou, Enrico, parce que bon, vous avez eu des années fortes, vous avez eu des années fastes, vous avez eu des années plus basses, vous avez, votre carrière, elle a oscillé. Mais vous êtes toujours indémodable, toujours dans le coup. Là, quand vous avez fait Family Business aussi avec Jonathan Cohen, etc., vous êtes à la fois ultra populaire, etc., toute génération, et hype, vous êtes redevenu hype. Alors, hype, ça veut dire... Vas-y, traduis. Alors, ça veut dire que vous êtes dans le coup, vous êtes toujours dans le groove. Tendance. Vous savez, moi, je n'ai jamais calculé quoi que ce soit dans ma carrière. Il y a une chose que j'ai insisté, c'est de ne jamais changer de style et de ne jamais me... Te trahir. Me trahir et puis être au service de la mode. Ouais. Parce que les modes, elles passent. Les modes, ça passe, oui, c'est vrai. Ça se démode. Mais pendant quelques années, c'est difficile de ne pas être à la mode. Ça fait rien. Il y a eu des moments où vous avez souffert d'être un peu... Bien sûr. Vous savez, dans une carrière, il y a des hauts et des bas. J'ai eu des échecs. Mais le talent, c'est de savoir se servir de ces échecs. Ouais. Et surtout, vous dites, même dans les périodes de vaches maigres, j'ai toujours été populaire, et ça, j'en suis fière. Vous dites, la cote d'amour du public n'a jamais varié. Justement, c'est ce que je me dis maintenant, quand je chante sur scène, quand je vois l'amour du public, je me dis, c'est pas possible, pourtant, j'ai pas fait tout le temps des tubes. Mais la cote d'amour que j'ai avec le public, elle est... Je vais vous raconter quelque chose. L'année dernière, j'ai donné 2 soirées à l'Olympia. La première soirée s'est très bien passée, mais la deuxième soirée, je rentre sur scène, j'étais un peu fatigué, j'ai dit, oh,
avec le temps, ça va revenir. La voix va revenir. Oui, la voix va revenir. Eh bien non. Pendant 2 heures et demie, j'ai eu une extinction de voix incroyable. Rien. Je ne pouvais pas dire un mot. Bon, enfin j'ai quand même dit avec une voix, j'ai même dit, la voix que j'ai, on dirait Canal Plus quand c'est codé. et vous êtes resté 2 heures et demie. Jusqu'au bout. Resté, j'ai dit au public, je suis comme les boxeurs, moi. Tant que je ne serai pas KO et mort, je resterai sur scène jusqu'au bout. Et ça leur a plu. Ils ont chanté à ma place pendant 2 heures et demie. Oui. Je vous jure que c'est vrai. Ce que je vous raconte là, mais je vous crois, n'est jamais arrivé nulle part dans le monde, peut-être même pas dans une autre planète. Jamais aussi bien payé à n'en rien foutre. C'est vrai que c'est un acharné parce que je suis sûr que vous brûlez d'impatience que je vous raconte une anecdote. Ma chère Violette. Non, mais elle déteste. C'est pas que je déteste pas. Mais chaque émission, il a une anecdote. Comme il a vu tout le monde, il connaît tout le monde, etc. À chaque fois, il raconte ses... Mais là, pour le coup, j'en ai vraiment envie. Parce qu'avec Enrico Macias, je sais que c'est une anecdote. Bah déjà, tout à l'heure, on a eu le macaron. Hein, ça, pour ceux qui ont raté le début, il m'a craché dessus et il a beaucoup ri. Et la deuxième, c'est qu'on est allé faire en direct Coucou, c'est nous. J'ai envie de faire une vanne toute pourrie. Hein, c'est Couscous, c'est nous. Parce qu'on l'a emmené avec nous. Ça, c'est la vanne pourrie. Je la préviens. Il n'y a que lui qui rigole, mais donc, c'est bien. Je l'ai emmené à Munich. En direct pour faire Coucou c'est nous juste avant la finale de Coupe d'Europe entre l'OM Marseille et l'AC Milan. Voilà. C'était quand et ça comme un con 93. Qui j'invite moi? Le mec qui supporte le PSG. Je fais pas gaffe, on fait pas attention et on invite Enrico qui supporte le PSG et que les mecs de Marseille détestent en tant que supporter de PSG et donc c'est l'invité principal de l'émission. Et il se trouve qu'à Munich, on nous met au milieu de la foule de Marseillais, de milliers de Marseillais, totalement ricardisés, hein, depuis 14 heures, il faut le dire. Hein. Et pas que ricardisés, enfin, je veux dire, chauds comme des marrons, fumés. Voilà. Et on s'installe, on commence l'émission avec Enrico. Je ne sais même pas si vous êtes rendu compte vous-même, c'est dur de se vous voyez, parce qu'on se connaît depuis 2000 ans. Vous en prie, Christophe. Monsieur Christophe. Et on commence à s'installer, et puis c'était une catastrophe, on se prenait des jets de trucs dans la gueule. À cause de lui. Attends, à cause de lui, bien sûr. Et lui, il dit ouais. Grave, je ne sais pas comment j'ai. Oui, grave, une pomme. Une pomme, des boulets. Oui, des boulets énormes, des boulets. Attends, et à un moment, on se met à danser parce qu'on faisait ça à Coucou, on faisait des conneries, des démos. Et on fait une danse bavaroise avec les mecs qui sont en short de bain. Et on tourne comme ça et en se tapant les pieds, tac, tac, tu lèves le pied, tu tapes le pied, tac, tac, on danse. Et lui, avec le comme ça, on tournait. Et à chaque fois qu'on passait devant le banc de Marseillais, t'avais les mecs qui faisaient pédé. À lui. Pédé que tu es. Et l'autre, il était là, il avait les boules. Il dansait, et il passait pédé et tout. Et franchement, il avait une tronche comme ça, il se faisait traiter par des gens. Bon, en plus, ça se dit plus, ce mot-là. Bref, l'émission, je rends l'antenne, parce qu'on était vraiment couverts de merde, des chipolatas, des trucs, on en prenait plein la tronche. Et on rend l'antenne. Et là, on se barre du plateau, on retourne au petit camion qui nous servait de studio. Et il y a Enrico qui marche juste derrière moi. On est 3-4 comme ça. Il n'y a pas grand monde, il y a un peu de gens. Et là, il y a un Marseillais qui passe et qui lui dit pas un truc très méchant, mais qui dit mais qu'est-ce que tu fous là ou un truc comme ça. Et lui, il se retourne. Et là, avec tout ce qu'il avait vécu pendant une heure. Et là, le pauvre mec qui dit ouais, qu'est-ce que vous faites là ou je sais pas quoi, il lui fait enculé de ta race maudite. Je rappelle que c'est le chanteur de la paix. Ah oui, Colomb. C'est le chanteur de la paix dans le monde. Représentant de la paix avec la colombe. Enculé de ta race maudite. Non, mais... Dans le monde, il y a quelques mois, chacun a une mission sur Terre. Moi, c'est militer pour la paix, pour le droit à la différence, contre la violence et contre le racisme. Mais oui. La preuve. Alors la tournée,
parce que vous êtes, comme je le disais, il n'y a pas de retraite. 84 ans et demi, et vous êtes en tournée, vous êtes plus en forme que nous tous réunis ici. Ça s'appelle Encore un tour. Vous serez notamment le 16 avril au Palais des Congrès à Paris. Vous passez également par Marseille le 30 mars. J'espère que ça va bien se passer. Et par... Ah ben oui, tiens. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que tu as fait de raconter cette histoire? Oh là 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 non, là. Au contraire, tu les supportais. Ah oui, oui, oui. Tu les soutenais. C'est pas grave, de toute façon, ça changera en rien. Non. Et le 6 mai à Nancy, 84 années, et quelle vie aussi. Quelle vie vous avez eue. Non, mais c'est vrai qu'en rebossant sur votre vie, là, en relisant votre vie, vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale, vous avez connu les lois antisémites de Vichy, vous avez ensuite connu la guerre d'Algérie qui vous a volé votre adolescence, vous avez ensuite connu l'exil. Quelle est l'épreuve la plus difficile de toute votre vie que vous avez dû surmonter? Ça a été la disparition de ma femme. Ouais. Parce qu'elle m'a tout donné. Elle était tout le temps près de moi pour me donner des conseils, pour... elle me protégeait. Et jusqu'à présent, elle me protège. Elle m'a donné des enfants, des petits-enfants. Mais j'ai eu d'autres épreuves aussi. L'exil, bien sûr, de partir de... La mort de Cheikh Raymond, le papa de Suzy, qui était un immense artiste. Alors, quand je fais le bilan, je ne veux me rappeler que des bons moments. Que des bons moments. Il reste quand même que vous ne pouvez pas, toujours pas, retourner en Algérie. Vous n'y êtes jamais retourné. On avait Patrick Bruel la semaine dernière. Il y est retourné pour la première fois avec sa mère il y a quelques semaines. Il a été autorisé, je ne sais pas si on doit dire ça comme ça. Okay. Vous, ça bloque toujours. Pourquoi ? Mais ça bloque, ça a bloqué. Mais peut-être que ça va se débloquer. Ah, vous avez toujours l'espoir d'y aller un jour ? Vous savez, à mon âge, je ne sais pas. Mais je ne ferme pas la porte sur l'avenir. Et je félicite Patrick Bruel d'être allé en Algérie. Ça prouve que finalement, il a peut-être ouvert la voie à ce que j'aille. Du coup, on va vous faire l'interview Gad Elmaleh, si vous voulez bien. Ah. C'est la même interview que j'ai fait à Gad Elmaleh, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de français en vous, Enrico Macias ? De français ? Les impôts. La France m'a tout donné. La France, vous savez, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « La France de mon enfance ». Et je suis fier de cette chanson. Je la chante toujours sur scène parce qu'à l'époque où j'étais en Algérie, c'était la France de mon enfance. Oui. Ce qu'il y a d'Algérien en vous, en un mot? Tout. La musique, le couscous. Ce qu'il y a de juif en vous? Le monothéiste que je suis, la croyance en Dieu et l'amour de la justice, comme le roi Salomon. Ce qu'il y a de laïque en vous? Alors, enfant de tout pays, c'est la chance, une chanson très laïque. Et je suis avant tout un laïque. C'est-à-dire que j'aurais aimé que toutes les religions se rassemblent en une seule. Et finalement, être laïque, c'est un petit peu ce cheminement. Ce qu'il y a de révolté en vous, Enrico Macias? L'intolérance, le racisme, l'intolérance. Ce qu'il y a de Suzy en vous, votre femme? Ah, il y a la tendresse. Ce qu'il y a d'Emmanuel Macron en vous? La synthèse de tous les partis. Et vous avez chanté « Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy » en 2007 aussi. Ah oui, alors là, il faut que je mette au point quelque chose. Parce que c'est vrai. Alors, c'est quoi? Quand Nicolas Sarkozy est devenu président, j'étais tellement content parce que je l'aimais beaucoup. Et c'est un ami. Je n'ai pas peur de le dire, c'est vrai. Et quand je suis arrivé à la place de la Concorde, j'étais tellement content qu'il soit devenu président que j'ai chanté « Les filles de Sarkozy, ça voulait dire les filles de France ». C'est ça, c'est pas ces filles.
qu'il n'avait pas à l'époque. Mais de toute façon, oui, il n'avait pas de fille. Oui. Je veux dire, c'était pas très intéressant. Mais... Cela dit, vous avez fait une bêtise ce jour-là, non? Pour vous, ça n'a pas été... Non? Vous l'avez pas un peu traîné comme un Heine Klein boulette? Un petit peu, mais de toute façon, je ne regrette pas ce que je fais. D'accord. Jamais. Okay. Jamais, parce que je ne calcule pas. Ouais. Moi, ce que j'ai fait par amitié. D'accord. C'est tout. Paul de Saint-Sernin. Enrico Macias, 84 ans, et quand on entend cette envie, cette volonté, cette motivation de continuer toujours encore à monter sur scène, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Waouh, il doit tellement avoir besoin d'oseille !» Mais oui, en plus. Que Dieu vous entende. Vous nous jouez un petit quelque chose. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment, je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 donnez-moi, donnez, donnez-moi, je vous le rendrai. Merci, merci Enrico. La tournée s'appelle Encore un tour, le 16 avril au Palais des Congrès de Paris, le 30 mars à Marseille. Juste, je ne sais pas ce qui est prévu. Est-ce qu'Enrico reste pas? Mais il y a Olivier Véran qui arrive dans quelques minutes. Moi, ça m'arrange si vous partez, parce que s'il vous voit bosser à 84 ans, il va nous foutre la retraite à 60 ans. Dans un instant, c'est Philippe Cavrivière qui viendra nous rejoindre, qui se prépare dans la loge, en train de nous écouter. Il arrive, ensuite ce sera effectivement Olivier Véran qui sera là. Mais pour l'heure, cette charmante jeune femme qui nous écoute depuis tout à l'heure, ça va Violette? Vous passez une bonne soirée? Je suis aux anges. Franchement, déjà une fois dans ma vie, j'aurais entendu en live Enrico Macias, donc c'est quand même assez ce soir. C'était cadeau. Et écoutez Laure Calamy, qui est une femme que j'admire, et découvrir cette histoire de Vincent Lagaffe, incroyable. Vous aimez tout le monde? Pour l'instant, je suis aux anges. J'espère que ça va continuer. Je ne sais pas, Violette. Vous avez 23 ans, vous publiez votre premier roman, Même le bruit de la nuit a changé, chez Flammarion. C'est un premier livre sensible, intelligent, émouvant et très maîtrisé. Pour un premier livre, l'histoire d'une jeune femme qui part à la recherche de son père, mort quand elle avait 6 ans. Elle va mener l'enquête sur ce père fascinant, mystérieux, essayer de percer les secrets de famille, ce qu'on lui dit, ce qu'on ne lui dit pas, ce qu'on lui cache. Cette histoire, c'est la vôtre, Violette. Votre père est mort quand vous aviez 6 ans. Votre père s'appelait Luigi D'Urso. C'était un homme d'affaires italien, passionné d'art, un dandy, élégant, fantasque, mais aussi avec une part sombre que vous avez découvert et qui a épousé à l'époque l'égérie de la mode française, Inès de la Fraisse, qui est votre mère. Et qui ne ressemble pas du tout, hein, donc. Pourquoi vous avez eu besoin d'aller enquêter, d'aller fouiller dans la vie de votre père, de savoir qui il était vraiment? Déjà, à vos risques et périls, je dois le dire, parce que ce que vous découvrez n'est pas forcément flamboyant. Déjà, quand il est mort, quand j'avais 6 ans, j'ai eu tout de suite l'envie de... d'écrire sur lui, je me suis dit ça peut pas s'arrêter comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, c'est comme ça que j'ai eu l'envie d'écrire des livres.
Et en fait, j'ai commencé à recueillir des témoignages et toute ma vie, j'ai essayé d'en recueillir, mais il y a un moment où je me suis dit que c'est devenu une... Enfin, je pense que comme le personnage de L'Académie dans Bonne Conduite, j'avais un deuil qui vivait avec moi tout le temps et j'ai eu vraiment besoin de me consacrer à ça. Parce que, en fait, ce deuil vous a percuté et vous dites, les gens pensent que le deuil, c'est un tenté et ensuite ça calme. Oui. Mais en fait, quand on te casse à 6 ans, ce qui a été votre cas, chez vous, vous dites, ça a été un accident de voiture qui ne s'est jamais cautérisé, en fait. Vous aviez mal dans votre corps, vous racontez que vous tombiez dans les pommes, que vous étiez tout le temps malade et on ne comprenait pas, on vous disait, mais pourquoi tu es malade? Déjà, c'est vrai que je voulais faire un livre sur ce deuil. Je trouvais qu'il y avait peu de livres qui décrivaient l'expérience de perdre un parent. Il y avait des livres sublimes sur le deuil, comme John Didion, L'année de la pensée magique. Mais sur cette expérience-là, il n'y en avait pas. Et comme moi, la littérature m'a sauvée, je voulais vraiment décrire une expérience comme ça. Et effectivement, là, ce dont vous parlez, j'avais beaucoup de problèmes de santé qui... Et en fait, qui était inexpliqué. Jusqu'à ce qu'un médecin vous dise, mais vous êtes... Qui n'était jamais trop grave, mais jusqu'à qu'en fait, je comprenne que tout ça était psychosomatique et relié à une douleur initiale qui était liée à ce deuil. Et à ce manque de père. Oui. Le livre commence, vous avez 6 ans, vous êtes en voyage scolaire et votre père avait promis de venir vous chercher à la gare. Vous rentrez avec votre classe et ce n'est pas votre père qui est là, c'est votre mère. Oui. Et elle vous dit non, non, il a eu un empêchement. Et vous rentrez à la maison. Vous voyez votre appartement rempli de gens tristes, dites-vous. Et c'est moi ce qui m'a étonnée, alors je ne sais pas si c'est la vraie histoire ou en tout cas ce que le personnage vit, c'est que ce n'est pas votre mère qui vous dit au bout d'un certain temps « ton père est mort », c'est votre sœur de 12 ans, Nine. Oui, effectivement. Alors dans le livre, c'est ma sœur Molly, mais c'est effectivement ma sœur qui me l'a dit. Je pense que... Oui, c'était... je ne pouvais pas comprendre et que c'était comme si, entre enfants, elle pouvait me le dire. Toute votre période d'enfance, vous racontez, vous êtes fascinée par ce père, vous pensez à lui tout le temps, vous voulez vous habiller comme lui. À 8 ans, vous suppliez votre mère de vous acheter un pantalon en tweed parce qu'il aimait ça, parce qu'il était extrêmement élégant. Vous le mythifiez, cette figure de père. Mais à chaque fois, votre entourage, votre mère autour... Quand vous posez des questions, on vous répond, on est flou, on ne dit pas trop. Mais je pense que, en fait, on dit, mais on dit les mêmes. Enfin, souvent, on disait les mêmes histoires. Et oui, souvent, c'était des histoires assez romancées. Et mon père était quand même quelqu'un d'incroyable. Donc, il y a des histoires toujours très marrantes et très belles à raconter. Enfin. Là, cette photo, on voit quand même quelle vie c'était. Enfin, c'était un personnage incroyable, mais je pense qu'effectivement, ma mère a voulu garder une très belle image de mon père, parce que c'est ce qu'il était, et que ça en a fait une... Moi, je m'en suis fait une image très héroïque, du coup, aussi, mais elle a une eu image raison. Très héroïque jusqu'à vos 18 ans, où là, vous... Je crois que c'est au cours d'un dîner, une femme vous presse de questions sur votre père, etc. Et là, vous décidez vraiment d'enquêter. Et le livre, c'est l'enquête, en fait. Oui. C'est l'enquête en Italie, dans son pays, puisqu'il était napolitain, etc., avec ses amis, les gens qui le connaissaient, sa famille, etc. Vous allez à la chasse pour essayer de comprendre. Et ce que vous découvrez, c'est effectivement moins flamboyant que l'image d'Épinal et mythique que vous aviez de votre père. Vous découvrez un homme qui était un ultra-sensible, un arraché, et qui se droguait, qui sortait énormément, qui était un oiseau de nuit, qui draguait, qui se droguait, mais se droguait vraiment à l'héroïne. Vous découvrez, et là, votre monde s'effondre. Comment vous réagissez quand vous découvrez qu'en fait, bah oui, c'était pas si beau que ça, qu'il y avait une face sombre en tout cas. J'avais 18 ans, donc j'ai eu une réaction, je pense quand même très adolescente, de le voir tout de suite comme quelque chose de très négatif, et c'est normal. Mais en plus, c'est quelque chose qui m'avait déjà... L'addiction, inconsciemment, était déjà quelque chose qui m'avait travaillé.
j'avais lu plein de livres sur les cartels de drogue, toute la tragédie de l'héroïne qui a disséminé des générations. C'est-à-dire, avant de le savoir, vous étiez obsédée gamine. Oui, oui. À 14-15 ans, oui. Vous choisissiez comme exposé des trucs sur la drogue. Oui, oui, voilà, j'avais fait un TPE sur le drogué. Et votre mère vous regardait avec un petit sourire. J'avais fait un TPE, donc un travail de première sur le drogué comme figure de la condition humaine. Donc, ce qui pourrait être le titre de mon livre, quoi, presque. Et donc, j'étais très énervée et ça a été très dur. Mais en fait, tout le livre, c'est toute une quête pour retrouver un personnage qui est beaucoup plus nuancé que ce que j'ai cru. D'une grande famille, etc. Et il s'est rapproché même à un moment des mouvements d'extrême-gauche qui ont même, pour certains d'entre eux, peut-être participé au kidnapping d'Aldo Moro. À l'époque, c'est très mal fini, etc. Vous découvrez des trucs assez chauds, quand même. Oui. Bah, alors, à moins que ce soit un roman. Non, mais voilà, par exemple, c'est des sujets des mouvements de gauche, des brigades rouges, etc. M'intéressait aussi. Donc le fait que mon père y ait touché un peu, où on soit proche, j'ai fait des recherches à fond, quoi. Oui, c'est vrai que... Vous écrivez « Le temple de mon père s'était effondré. Je me retrouvais à 17 ans dans un champ de ruines et le seul à qui j'aurais pu reprocher tout ça, sur qui j'aurais pu passer ma colère, était mort depuis 11 ans. » Oui. Je pense que ce livre, c'est aussi... bien sûr, c'est sur une orpheline et de l'addiction. C'est dingue de... C'est fou d'avoir cette photo là qui regarde mon père. Enfin, ça m'est jamais arrivé, je pense. Vous ressentez quoi quand vous voyez cette photo? Il vous regarde là. Oui, non, oui, ça m'est jamais arrivé. Mon père en plus que trois fois grandeur nature qui me regarde quand je parle, mais c'est une présence assez rassurante, c'est super. Mais oui, je pense que en tout cas ce livre, au-delà d'une histoire d'un orphelin. D'une orpheline ou de l'addiction, c'est une histoire assez universelle parce que ce passage à l'âge adulte où on se rend compte que nos parents ne sont pas les héros qu'on s'imaginait et qu'ils ont eu une vie, qu'ils ont fait des conneries, qu'ils en font encore, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu et je pense que c'est sur ce moment-là, ce livre. Violette, vous avez eu des scrupules à publier ce livre, à dévoiler ses secrets de famille, parce que vous racontez effectivement les liens avec l'extrême-gauche, la drogue. Il y a même eu, dans sa jeunesse, une amie à lui qui... Enfermée, cachée dans un baraquement. Cachée dans un KGB. Ouais. On découvre qu'elle a été cachée dans un KGB, qu'il a paniqué, elle a fait une overdose et elle est morte dans un KGB. Enfin, vous découvrez des choses qui ne sont pas reluisantes. Est-ce que vous avez eu des scrupules, des angoisses à publier ça, à le mettre sur la place publique, alors que vous avez une mère qui est très connue? Elle l'a trouvé comment, le livre? Bah, ma mère, justement, je pense que c'est la personne qui le voit de la façon la plus littéraire, quoi, de mon entourage, parce que elle, c'était son mari, elle sait le vrai du faux. Donc, elle est très très fière. Elle est fière. Elle est fière de vous. Elle a fait un post Instagram en disant, et elle a raison en disant, c'est une écrivaine que j'ai en face, parce que c'est ça en fait. On vous fera forcément le procès de la fille 2 parce que c'est. Mais moi, je voudrais dire à ceux qui vont dire. C'est la fille 2, oui, vous êtes la fille 2, mais ça, c'est vrai. Mais lisez ce livre avant de juger, parce que franchement, c'est un premier roman pour une jeune fille de 23 ans qui est ultra formidable. Maîtrisée, ouais. Qui est une déclaration d'amour à son père. Voilà. Vous savez... On embrasse sa maman, si elle regarde. Oui. J'ai connu ta maman il y a très très longtemps à mon travail, et je l'embrasse parce que ça a toujours été une invitée absolument exceptionnelle. Et vous êtes toutes les deux, l'une aussi jolie l'un que l'autre. Merci. L'un que l'autre. Donc. Non, l'une. L'un que l'autre. L'un, c'est pas grave. L'un. Non, pas du tout. Non. Fatigué aussi. C'est pas grave. Je vous impressionne. Oui. Un des amis de votre père a raconté qu'un jour, il vous voyait là devant lui et il vous a pointé du doigt et il a dit à son pote, celle-là, elle s'en sortira. Oui. Alors, c'est mon père qui a dit ça. Ouais, votre père vous a pointé, vous deviez avoir 5-6 ans, il a dit, celle-là, elle s'en sortira. Ben, il avait raison. Il avait vu juste votre père. Même le bruit de la nuit a changé. Chez Flammarion, merci. Violette Durso, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, le porte-parole du gouvernement sera sur ce plateau pour répondre à la contestation qui grandit partout dans le pays. Mais tout de suite, c'est votre rendez-vous préféré. Philippe Cabrivière, son clipper. Merci. Bonsoir. Eh oui, bonsoir Léa. Le public ne s'y trompe pas. L'émission est très réussie. Voilà, je vous le dis, je vous le dis. Et non, parce que je sais pas si vous avez regardé l'émission de la semaine dernière. Oui. On l'a un peu ratée. On l'a foirée. Alors, c'est dommage. Elle partait bien. Moi, j'étais confiant sur cette émission. Et puis, je sais pas pourquoi.
D'un coup, l'ambiance s'est tendue. C'était tendu, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire pourquoi. Alors, oui, peut-être, oui. Oui. Non, on a un début d'explication. Alors, moi, perso, moi, j'adore Éric Zemmour. Politiquement, humainement, moi, c'est mes valeurs. C'est le Club Med, tu vois. Tu vois, Vincent, c'est l'ouverture. Éric Zemmour, c'est la générosité. C'est Enrico, pareil, c'est la même chose. Tout pareil. L'empathie. Bon, même, oui, c'est l'empathie. Je cherchais le mot Christophe, c'est l'empathie, Éric. Alors, c'est vrai qu'il est un peu segmentant, un peu clivant pour deux, trois coins sauce du derche de gauche, France Inter, gauche chiasse 2002. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi un invité politique qui est rassembleur, qui est fédérateur, que les Français adorent, Olivier Véran. Parce que... En ce moment, il est derrière vous. J'écoute. En ce moment, alors je ne sais pas pourquoi, mais ils ont une cote, les macronistes. Ah ouais, on les aime, on les adore, on les cajole. Alors bon, on a quand même prévu 8 quarts de CRS pour laisser Olivier rentrer, hein. Et après, par contre, pour la sortie, en revanche, on va lui éviter le goudron et les plumes. On va l'élitreuil. Il va pas sortir. Par le toit. Il sortira par le toit. Voilà. L'événement de la semaine, c'était évidemment l'intervention d'Emmanuel Macron dans le 13h mercredi. Vous l'avez trouvé comment, vous? Je l'ai trouvé gaullien, moi. Parce que De Gaulle, c'était bien sûr... En fait, Macron nous a compris, c'est ce qu'il nous a dit. En fait, De Gaulle, il avait dit « Je vous ai compris ouais. ». Mais Macron, il va plus loin. Macron, il dit « Je vous ai compris, mais je m'en branle ». Vous voyez, C'est avant tout de la sincérité. Ouais. On leur reproche de trop de langue de bois. Il n'a pas de langue de bois, on n'est pas content. On n'est jamais content. Voilà. Alors, le président n'a annoncé ni retrait, ni réforme, ni dissolution. Bah, du coup, on ne voit pas trop ce qu'il est venu nous dire, en fait. C'était pour des rien de tout, c'est M. Patel. Et voilà. Alors, en fait, ce qu'il nous a fait, il nous a fait une espèce de météo politique. Quoi. C'est un peu ça qu'il nous a fait. Bonsoir. Demain, il fera 2 ans de plus sur toute la France. Les opposants à la régime des retraites pourront aller se faire foutre à Lille et à Metz. Ils pourront aller se faire cuire le cul sur un feu de poubelle à Rennes et à Bordeaux et aller bien niquer leur génitrice sur tout le pourtour méditerranéen. Il est toujours là, Olivier ? Il est toujours là. Le soleil se couchera à 19h13 parce que c'est une belle feignasse, le soleil. Et sûrement à la CGT, le soleil. Et nous fêterons, bien sûr, les 10K. Ce sera la Saint-10K, la fête des branleurs. Voilà. Bonne fête à tous les branleurs. Après le rejet à seulement 9 voix près de la motion de censure, Elisabeth Borne a déclaré « On a le droit de parler ». De victoire. Ben oui. Vous voyez ? Et c'est déjà drôle. J'ai même pas besoin de faire de vanne, la vanne est faite. Oui, une belle victoire. Moi, je trouve que c'est une victoire à la France 98, et c'est pour ça que les gens sont dans les rues. C'est parce qu'ils ont envie de crier leur joie avec des fumigènes. C'est la ferveur populaire des grandes victoires. Il y a une espèce d'adhésion à cette réforme des retraites. Alors, vous avez vu que Babou Borne, ben, elle est optimiste. Elle est optimiste, c'est le soldat qui rentre du front sans bras et sans jambes et qui chante « On a gagné !» On a gagné !» Alors c'est bien, t'es optimiste, tu le vois le verre à moitié plein, mais comme t'as plus de bras, tu peux pas le boire, ton verre. Alors les deux motions de censure, on l'a vu, ont échoué. De toute façon, les motions de censure, c'est un petit peu comme les trajets en bagnole avec Pierre Palmade. Ça va jamais au bout. C'est trop tard, c'est fait, elle est balancée. Voilà, j'étais pas au volant, hein. Engueuler celui qui était au volant. En tout cas, s'il y a un changement de Premier ministre prochainement, moi, je ne me fais aucun souci pour Elisabeth Borne. Je sais qu'elle va rebondir. Elle va rebondir en télé. Et déjà, elle a une proposition sur la prochaine saison de LOL qui ressort. Et je pense que c'est la bonne personne au casting. Parce que tu vois, tu mets Commandeur, Jérôme. Tu mets Kev Adams. Tu mets Florence Foresti. Omar Sy. Et tu rajoutes Elisabeth Borne, Babou. Et voilà. Et là, pour la faire rigoler, accroche-toi. Elle va en finale et elle va gagner. Je pense qu'elle peut rester 5 ans dans l'émission. Un quinquennat sans rire. Justement, à propos d'un hypothétique changement de Premier ministre à Matignon, Marine Le Pen a déjà déclaré « Je n'irai pas à Matignon ». Ah, oui, alors c'est...
C'est très gentil de nous informer. Marinette, mais on ne t'a rien demandé, en fait. Personne n'a demandé. A dit, Marine, s'il te plaît, viens à Matignon. Marine, viens à Matignon. Donc, c'est exactement comme si moi, je disais, non, je n'irai pas dans le pieu de Rihanna. N'insistez pas, madame, lâchez-moi. Elle n'a rien demandé, mesquina. Donc... Les heurts entre opposants à la réforme des retraites et CRS se multiplient. Certains dénoncent les méthodes violentes de la police. Bon, on a vu des images de tensions. Plusieurs scotters, en signe de protestation, ont choisi de s'immoler par le feu. Alors, bon, après des heures à se faire caillesser, moi, faut comprendre les CRS. Les CRS, après plusieurs heures, c'est vrai qu'ils ont... Ils ont un peu la matraque généreuse, ils ont un peu le gourdin voltigeur. Le gourdin voltigeur, d'ailleurs, c'est le nom d'un bar très sympa dans le Marais, je vous invite à y aller. Mais moi, je suis optimiste, je pense que ça va s'apaiser. Pourquoi ça va s'apaiser ? C'est nul, mais oui, c'est un peu mon métier de dire des trucs nuls. C'est le principe. Oui, il ne fallait pas prendre un mec du club si vous attendiez des trucs intelligents. Vous êtes gouré au départ. Bon. Alors, pourquoi ça va s'apaiser, Léa ? Pourquoi ? Parce que les CRS et les manifestants, ils se voient deux fois par semaine. C'est vrai. Depuis deux mois. Et forcément, il y a des liens qui se créent. Il y a un échange. Ouais, on voit que là, il y a une complicité dans le regard. Il y a une tension quasi sexuelle entre ces deux personnes. Alors, moi, je pense que chaque cégétiste a son petit chouchou dans les CRS. Je pense qu'il a son préféré. Il doit lui dire « Oh, Polo, c'est toi qui nous gaze de tout à l'heure. Tu veux une Heineken ?» Et l'autre, il fait « Non, Dédé, on en a plein de camions, on n'arrivera pas à tout finir. » Et là, on parle d'amitié, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'il y a des histoires d'amour qui vont naître. Je pense, entre Roger, par exemple, et le CRS, et Monique, la cégétiste, moi, je vois bien une Monique qui racontait, dit « Ah, mais moi, j'ai vu Roger. » Roger m'a tapé dans l'œil tout de suite. Alors, depuis, je suis borgne, mais on s'aime, vous voyez. Il me taquine, il me dit, t'as de beaux œils. Soyez gentils avec Olivier. Hein. Merci ça, Philippe, on vous retrouve tout à l'heure. On va remercier Laure Calamy. On vous retrouve au cinéma mercredi prochain dans Bonne Conduite. Avec un casting formidable, on passe un vrai bon moment et on ira vous voir en tournée, cher Enrico Macias. Regardez les dates sur Internet, on vient vous voir chanter. Merci beaucoup, merci à tous les deux. La France est-elle en insurrection ? Comment sortir du chaos ? Pour en parler maintenant, on accueille notre invité de minuit, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir Léa. Merci d'être avec nous ce soir. Vous connaissez les invités, Vincent Lagaffe, vous regardez le Big Deal. Oui, et puis on s'est rencontrés une fois. Ah ben. Dans un contexte qui n'avait rien d'un plateau de télé. Tout. Et dont tu auras peut-être l'anecdote, sauf si Vincent insiste. On s'est croisés une fois. Au Club Med non. Du tout, sur une... Bon, allez, plus sérieusement maintenant Olivier Véran. Juste une première question pour commencer, dites-moi. On va continuer encore 4 ans comme ça? Alors, il va falloir préciser votre question, Léa Salamé. Bah, cette semaine qu'on vient de vivre, ces deux mois qu'on vient de vivre, un pays fracturé, de la colère, de la haine, de la violence, et cette réforme des retraites où vous ne bougez pas. Alors, sur la question de la violence, celle qu'on a vue jeudi, qui ont émaillé la manifestation, pourquoi j'en parle comme ça ? D'abord parce qu'elles sont inacceptables et qu'il faut les condamner, évidemment. Ensuite, parce qu'elles ne remontent pas à la réforme des retraites. Et qu'au fond, Léa Salamé, quand on regarde depuis 20 ans dans notre pays, lorsqu'il y a des mouvements sociaux qui peuvent être d'intensité importante, quelle que soit la légitimité de ces mouvements, on voit qu'il y a un recours à la violence qui est plus fréquent qu'auparavant. Mmh. Et si on quitte deux secondes les frontières du pays, on peut aussi constater que dans beaucoup de pays occidentaux, il y a des montées de violence qui peuvent s'exprimer en différentes occasions. Je dis ça parce que je suis responsable politique ce soir, je viens vous voir comme porte-parole du gouvernement, comme ministre délégué en charge du renouveau démocratique, et que le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il est fondamental que l'ensemble de la classe politique puisse condamner la violence. Ce qui, encore une fois, ne dit rien
ne dit rien du mouvement sous-jacent qu'on a pu constater dans les rues de nos villes depuis plusieurs semaines et qui se sont très bien déroulées. C'est ce que j'allais vous dire, il y a eu 8 manifestations. Je pense que c'est important de faire le distinguo entre extrêmement. Mais vous savez, on va revenir sur les violences, on va revenir sur les violences, sur ce qui s'est passé. Mais moi, quand je vous demande au départ, est-ce qu'on va continuer encore 4 ans comme ça, c'est est-ce que vous allez continuer? Est-ce que le mouvement social va continuer? Est-ce que c'est le retour des Gilets jaunes? Est-ce que vous diriez qu'on est en phase insurrectionnelle là? Non, je n'emploierai pas des mots comme celui-ci. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une contestation sociale qui est forte. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était anticipée, anticipable, puisqu'il s'agit là d'une réforme qui est difficile, une réforme qui est impopulaire, et que nous endossons en responsabilité, parce que nous sommes aux responsabilités, et que si nous réformons les retraites, et nous continuons de vouloir l'expliquer, c'est pour pouvoir équilibrer ce système. Et que, encore une fois, vous m'aviez invité il y a quelques mois de cela sur votre plateau, je vous en remercie, nous n'avions pas encore commencé le débat parlementaire et on parlait déjà de la contestation sociale qui ne manquerait pas d'avoir lieu. Donc la question au fond, c'est faut-il arrêter de légiférer? Faut-il arrêter de transformer notre pays? Est-ce que la réforme des retraites, c'est la retraite des réformes? Ou est-ce qu'il faut aller de l'avant lorsque c'est nécessaire? Laurent Berger vous demande... La responsabilité, c'est notre travail. Laurent Berger vous demande de mettre la réforme en pause. Il l'a demandé vendredi matin après l'intervention d'Emmanuel Macron. Il dit qu'il faut calmer le jeu maintenant, sinon il y aura un drame. D'abord, je salue l'appel à la responsabilité de Laurent Berger, parce qu'il a été extrêmement clair justement sur la question des violences. Il a bien fait le distinguo, comme j'ai essayé de le faire en introduction tout à l'heure. Ensuite, Laurent Berger... Vous mettez cette réforme sur pause. Vous lui répondez quoi? Laurent Berger est un partenaire syndical avec lequel nous avons discuté par le passé, nous continuons de discuter aujourd'hui et nous voulons travailler avec lui à l'avenir sur des chantiers qui sont fondamentaux et qui concernent les Français. Il vous dit, mais nous vous lui mettez disons, cette réforme mais sur pause. La réforme des retraites, on attend la validation par le Conseil constitutionnel. Elle a été adoptée à l'issue d'un 49-3, il n'y a pas eu une motion de censure. Donc les institutions fonctionnent et donc nous assumons de devoir demander aux Français de travailler progressivement un peu plus longtemps pour équilibrer le système. On ne se mettra pas d'accord avec Laurent Berger là-dessus, mais on se met d'accord avec Laurent Berger sur beaucoup de choses et sur beaucoup de points de la réforme des retraites, notamment. Quand on travaille sur la pénibilité, on est d'accord avec lui, c'est lui qui nous a inspirés. Oui, mais ça veut dire quoi dans les faits? Par exemple, tous ces gens qui ne ramassent plus les poubelles, ils ont bien conscience qu'ils vont devoir travailler 2 ans. Ou alors, il faut leur dire maintenant, si vous avez décidé avec les syndicats et tous les gens qui sont supposés réfléchir ensemble, ou alors vous avez décidé que, par exemple, cette catégorie de personnes ne serait pas touchée par les 2 ans supplémentaires. Ce que nous avons fait avec cette réforme, c'est qu'on a porté une attention particulière aux personnes qui travaillent tôt ou les gens qui ont des métiers pénibles. On ne le dit pas assez, mais 40% des Français partiront après la réforme avant l'âge légal. Avant l'âge légal. 40%, ce n'est pas rien. Et dans les métiers qui ont des critères de pénibilité, on élargit ces critères de manière à ce qu'il y ait plus de gens qui rentrent. Et donc les éboueurs? Mais par exemple, je vous donne un exemple. Ils vont travailler 2 ans de plus ou pas? Est-ce que la question, au fond, c'est de savoir si quelqu'un qui est usé, qu'il soit éboueur ou un autre métier... Non, mais métier, par exemple, les éboueurs... Oui, mais par exemple, un les éboueurs ou un autre. Parce que là c'est frappant, les éboueurs, parce qu'ils sont en train de nous montrer qu'ils ne peuvent pas psychologiquement accepter travailler 2 ans de plus en bougeant 4 à 6 tonnes par jour par individu dans les conditions qu'ils font, dehors, sur un camion, hiver comme été. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Christophe de Chavannes, à quel âge part un éboueur à la retraite? Je vous pose la question. Il ne part pas à 64 ans. En général, les gens qui sont éboueurs, c'est des gens qui ont commencé à travailler tôt, donc ils partent plus tôt. D'accord. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont travailler 2 ans de plus? Est-ce qu'ils vont travailler 2 ans de plus ou pas? Il leur sera demandé, comme à l'ensemble des Français, on reporte l'âge de 2 ans. Olivier Véran. Oui, Léa Salamé, mais il faut savoir aussi... C'est où la pénibilité, alors? Je voudrais... Vous savez, mais on nous dit que la réforme est compliquée, qu'on l'explique mal. Si vous me laissez 2 phrases... Ah, vous l'avez mal expliqué, ça, c'est sûr. Oui, mais regardez... Pardon. Regardez les choses qu'on essaye d'avoir. Moi, je discute, j'ai l'habitude de débattre. Juste une réponse sur les éboueurs. Quand je débat avec des politiques, je sais faire. Là, je réponds à des questions de journalistes. Donc, moi, c'est journaliste. Une façon de répondre qui est différente parce que normalement, on a le temps nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec des métiers tôt, qui s'arrêtent plus tôt, mais qui décident par ailleurs de continuer plus tard parce qu'ils ont un meilleur niveau de retraite, ce qui s'appelle la surcote. C'est pour ça que si l'âge légal aujourd'hui dans notre pays est de 62 ans, l'âge réel de départ à la retraite des Français, c'est 63 ans et demi. Et la plupart du temps, parce que les Français travaillent un peu plus longtemps que l'âge légal pour avoir une surcote. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a porté une attention particulière aux gens qui ont des métiers pénibles. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que c'est un point qui est essentiel à mes yeux, c'est que quelqu'un qui a un métier pénible, usant, qui va lui briser les reins, qui va le fatiguer, qui va l'user, plutôt que de se dire 60 ans, c'est l'heure de partir, 61 ans, c'est l'heure de partir, ce qui est fondamental, c'est d'éviter qu'il soit usé en réalité. Et donc, pour cela, nous avons dans la réforme, et on en parle assez peu, alors pour moi c'est un point central, ce qu'on appelle le congé de reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'on vous conserve votre salaire pendant 1 an, on vous paye une formation
pour que vous puissiez, en cours de carrière, bifurquer Olivier vers un métier Véran, qui n'a pas cette pénibilité. Je suis désolée. C'est trop tard, Olivier 60 Véran. Ans ou 58 ans ou 55 ans pour se poser la question. Je suis désolée, pardon, on n'est plus à refaire le match de la réforme. On en a parlé sur toutes les antennes des carrières pénibles, etc. Vous avez expliqué, vous avez expliqué, vous avez expliqué. Il y a deux jours, Emmanuel Macron vient à la télé. Il explique, conclusion, 70% des Français ne l'ont trouvé pas convaincant et il a redynamisé la contestation et la mobilisation comme jamais. Est-ce qu'il y a un truc qui a raté dans son intervention? Ce n'est pas l'intervention du président qui est c'est en cause. Ce n'est pas ça qui a suscité ce qui s'est passé la journée de jeudi. Il y a une majorité des Français qui ne veut pas travailler plus longtemps. Je le comprends. 49-3 a fait mal, c'est sûr. Je le comprends parfaitement. Et nous l'assumons. Et nous le comprenons et nous le disons. Et le président l'a d'ailleurs très bien dit. Il a dit « Je ne cherche pas la popularité, je cherche le bien de mon pays. Et je préfère prendre des décisions difficiles et les assumer personnellement, mais faire le travail pour lequel j'ai été élu, c'est-à-dire rendre un pays dans un meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé. Or, on a un système qui n'est pas équilibré et qui fait que chaque mois, notre pays emprunte sur les marchés financiers pour payer la dette que nous creusons du fait que la population a vieilli et que le système n'est plus équilibré. Et ce n'est pas sain. Et personne ne peut dire que c'est sain, au fond. Alors après, on peut discuter des méthodes, on peut discuter des voies et moyens d'équilibrer. Ce qu'on a voulu débattre avec les syndicats, avec les groupes politiques. On a revu notre copie plusieurs fois. On parlait de 65 ans, ensuite c'était 64 ans. Vous redites ce soir, on ne pliera pas, on ne bougera pas, même si demain la mairie de Marseille est incendiée, même si demain l'hôtel de ville est incendié, on ne bougera pas sur les 64 ans. D'abord, c'est pour ça que j'ai commencé par cela. Je ne cautionne pas et rien ne peut justifier que personne ni vous ni moi cautionne. Le cautionnions. Je vous mets à l'aise, personne ne les cautionne. Ma question c'est, vous ne bougerez pas quoi qu'il arrive. Mais si parce qu'on commence à mettre le feu à des bâtiments publics ou parce qu'on commence à s'en prendre aux forces de l'ordre, il faut reculer devant la violence, ce n'est pas la bonne méthode. La violence, il faut la combattre. C'est écouter la colère. En revanche, la colère, évidemment, il faut y répondre. Et dans les colères qui sont exprimées dans la rue, y compris jeudi, il y a des gens qui sont contre la réforme des retraites, il y a des gens aussi qui sont en difficulté à cause du pouvoir d'achat, avec le prix du carburant, de l'électricité, etc., de leurs courses, et des gens qui sont aussi en colère, notamment les jeunes, et je vais aborder moi le sujet, en raison du 49-3. – Et d'ailleurs, les jeunes qui n'étaient pas tellement sortis dans la rue, depuis jeudi, ils sont sortis. – Il y a un ressentiment démocratique qui naît de l'usage du 49-3, qui pourtant… – C'était une erreur ?– Mais moi, j'aurais souhaité qu'on passe autrement. Mais la question, c'est, est-ce qu'on avait la possibilité de passer autrement? On a travaillé avec des parlementaires des différents groupes. À gauche, on a compris qu'on n'aurait personne pour travailler avec nous. À droite, on a compris que dans la mesure où ce que nous proposions était très conforme avec ce qui était porté par la droite pendant la campagne, on pourrait constituer une majorité. Et donc vous avez été trahi, et dans pas une question de trahison, mais dans les derniers mètres, il y a des parlementaires de droite qui ont pris leurs responsabilités et il y en a d'autres qui ont considéré que leur intérêt propre n'était pas l'intérêt de leur groupe. Qu'est-ce qu'on va faire en fait, en gros, là, dans votre esprit à vous gouvernant qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous, est-ce que chacun va rester sur ses positions? Auquel cas, on risque effectivement le drame, parce que les gens sont quand même de plus en plus nombreux, en plus, à être remontés comme des pendules. Vous, vous êtes très arrêtés. Bon, j'ai toujours pas ma réponse, pardon, je vous cherche si, pas. Si, les éboueurs, ils vont travailler 2 ans de plus, si c'est ça votre question. Ah, c'est ça, d'accord. Oui, j'ai répondu. Pour tout, c'est une règle. D'accord. Donc la pénibilité... Je... Mais si, parce qu'ils s'arrêteront plus tôt que les autres aussi. Oui, oui. Parce qu'ils commencent plus tôt, les éboueurs. Oui, mais enfin, donc... oui, mais ils vont travailler 2 ans de plus. Vous retournez un truc. Mais attendez, de Chavannes, est-ce que la réforme des retraites vise à demander aux Français, à tous les Français qui le peuvent, de travailler progressivement un peu plus longtemps? La réponse, elle est oui. Et on ne s'est jamais caché derrière ça. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde s'arrête au même âge. En fait, la règle avance, elle est après. Est-ce que vous regrettez le démarrage et les différents couacs, et vous y compris, malheureusement, pardonnez-moi, les différents couacs que vous avez pu balancer? Franck Riester qui avoue sur un plateau que, bah oui, c'est injuste pour les femmes. Vous qui nous parlez des 1200 euros qui vont concerner des millions de Français, mais qui en fait vont concerner, je crois, 10 000 personnes. 20 000. Est-ce qu'il y a eu ces couacs-là qui vous ont foutu dans une mouise d'incompréhension? Et un peu, je compare ça, pardonnez-moi, et vous êtes bien placé, malheureusement, pour le savoir, je compare ça un peu avec l'histoire des masques au début, où au lieu de dire, les gars, on est dans la merde, on n'a pas de masque, on va faire comme il faut, on va se débrouiller, on va parler tous ensemble, et on va faire en sorte de... Vous avez dit, grosso modo, il n'y a pas besoin de masque, ça ne sert à rien. Jusqu'au moment où c'est devenu obligatoire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette situation où tout d'un coup, et là je parle à l'homme, je suis désolé, est-ce qu'il y a un moment où c'est des trucs de politique de raconter un peu n'importe quoi pour se sauver d'un truc merdique dont on ne se sait pas sortir, ou est-ce que c'est une erreur? Non, mais je vous pose une vraie question. Ouais, j'ai dû faire à peu près 20 matinales. 30. Je pense que dans 19 des 20 matinales, j'ai expliqué que toutes les personnes
qui étaient carrière complète au SMIC auraient la possibilité de toucher 1 200 euros et les autres, ils auraient un peu moins, etc. Et effectivement, on peut toujours ressortir. Et j'ai fait, on peut faire des erreurs et j'assume parfaitement. Oui. J'en suis désolé parce qu'il faut de la clarté. Donc c'est une erreur. Un, est-ce que le texte de loi est compliqué? Oui, oui, très compliqué. Deux, est-ce qu'il a évolué? Oui, il a beaucoup évolué. Et donc, le point de départ A n'est pas le point d'arrivée. Si on avait ce qu'on appelle saucissonner le texte, imaginons une seconde, qu'on n'ait pas fait un projet de loi retraite, mais qu'on ait fait 5 ou 6 projets de loi. Qu'il y ait eu un projet de loi sur les 64 ans. Là, tout le monde aurait bastonné, personne n'était d'accord, etc. Imaginons qu'à côté de ça, on fasse un projet de loi indépendant, où on annonce que 1,8 million de retraités et un futur retraité sur 4, qui a des petites pensions de retraite, va avoir en moyenne 600 euros de plus par an. Est-ce que les gens seraient favorables? Oui. Or là, quand vous faites des enquêtes d'opinion, à la fin, il y a 25% des gens qui considèrent que c'est bien. Parce que, effectivement, tout est noyé dans une masse, et quand on n'est pas d'accord avec les 64 ans, on ne voit pas les à côté qui peuvent être... Tristan Oualek. Si on avait fait une loi indépendante pour dire on va mettre 1 milliard pour la prévention de la pénibilité, est-ce que les gens diraient c'est bien? Oui, ils diraient c'est bien. Tristan Oualek. Donc il y a des choses qui sont positives aussi. Est-ce que vous, monsieur Olivier Véran, ouais, vous avez changé d'avis à titre personnel? On sait que vous venez plutôt de la gauche au départ, du PS. Vous avez rejoint Emmanuel Macron en 2017. Pendant sa première campagne, lui, il était farouchement contre un report de l'âge légal. Il était pour une retraite par points. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, changé d'avis? À quel moment est-ce que vous avez décidé de suivre Emmanuel Macron là-dessus? Alors d'abord, j'ai voté député socialiste, une réforme des retraites. C'était celle de Marisol Touraine. Oui, mais qui n'avait pas d'allongement d'âge. C'était... plus de cotisations travaillées, mais il y avait pas, on passait pas de 62 à 64. Avant la réforme de Marisol Touraine, je devais travailler 42 ans, après je devais travailler 43 ans. Donc de fait, il y avait un an de travail en plus. Mmh. Ouais. Non? Non, non, si, si, si. Mais c'est le cas pour vous, c'est le cas pour tout le monde ici. Et on l'a assumé. Et c'était la gauche du gouvernement qui disait, le système n'est pas équilibré, il faut qu'on allonge la durée de cotisation. On l'a fait, ça s'est plutôt bien passé à l'époque, tant mieux. Et donc voilà. Ensuite, la question était de savoir est-ce qu'il fallait aller aux 64 ans plus tôt, comme la droite à l'époque le proposait. Moi, j'étais contre. Et d'ailleurs, les organismes... Et tout le monde était contre dans la Macronie. Et les organismes qui nous faisaient les prévisions d'équilibre du système de retraite n'anticipaient pas la situation qui est désormais anticipée. Et ce que je comprends parfaitement, et ça fait un peu le lien avec le Covid aussi, c'est que... aujourd'hui, on n'y croit plus rien aux indicateurs parce qu'un jour, on vous dit un truc et l'autre jour, on vous dit autre chose. Et parfois même, vous avez un organisme qui vous dit... c'est déséquilibré, il faut y aller. Et son président qui, en audition, dit bah, « c'est déséquilibré ». Donc, évidemment, je comprends que ce soit compliqué. Je vous dis juste les faits, les chiffres, parce que j'aime ça. Je suis un scientifique, j'aime les faits et les chiffres. Hélas, ils sont têtus. Il y avait 10 millions de retraités quand, par exemple, le président de la République a commencé sa vie professionnelle. Il y en aura 20 millions, là, dans une poignée d'années. Et donc, le système de retraite qui fait que les retraités ont leur pension payée par ceux qui travaillent, n'est plus équilibré, ni aujourd'hui, ni dans un an, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Ça veut dire que si vous voulez l'équilibrer, et on considère qu'il faut l'équilibrer, sinon on emprunte sur les marchés et c'est pas bon pour nos enfants, ou vous baissez les pensions, ou vous augmentez les impôts, ou vous travaillez plus longtemps. Est-ce que vous avez une question à poser au ministre? Non, j'ai pas vraiment de question à poser. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que ça pète. Mais quand je dis que ça pète, c'est que ça pète. C'est-à-dire que, à quel moment, il y en a un qui va sortir une arme à feu? J'ai peur de ça. Je me dis, le jour où il y a un gumball, un flashball qui part, on a des mecs qui descendront avec des kalachnikovs. Et à ce moment-là, je me dis, c'est trop tard. Et j'ai peur qu'on n'en soit pas loin. Vous lui répondez quoi? Encore une fois, j'ai du mal à considérer, quelles que soient les idées qui soient les nôtres, quelle que soit la façon dont on considère la société, j'ai du mal, moi, à envisager la violence, en fait, comme une porte de sortie ou comme une solution. En fait, je suis intrinsèquement non violent. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui me parle très peu. La société devient violente. On le sait partout, les réseaux sociaux, le téléphone, les relations, à l'étranger, le racisme, tout devient violent. Pourquoi ils n'entendent pas? Pourquoi là, les gens sont dans la rue? Pourquoi on a ces images-là? Pourquoi Charles III doit annuler sa visite en France? Pourquoi on en arrive là? Parce que c'est une réforme qui a toujours, la réforme des retraites, entraîné de la contestation sociale. Parce que ça ne fait plaisir à personne de travailler plus longtemps. Et parce qu'on est arrivé dans une société, et je suis assez d'accord avec ce que disait Christophe de Chavannes notamment, sur l'espèce de montée de violence qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans la manière dont les uns et les autres se parlent, qu'on voit arriver aussi au Parlement, et qui se traduit dans les relations interhumaines. Partout. Si on ne fait pas de réforme des retraites, on a, encore une fois, on est en situation de déficit chronique grave. Est-ce que, pour calmer un peu le jeu, parce que tout le monde a la trouille, j'imagine,
chez vous et partout dans la population, on a tous la trouille de ce qu'on voit. Les images d'un côté comme de l'autre sont très très violentes parfois, même parfois du côté des policiers, il y a des images, vous le savez, qui sont inadmissibles. Du côté des gamins, enfin moi, qui font des choses vis-à-vis des institutions, mettre le feu aux bâtiments publics, tout ça, enfin moi quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Dire à un flic, t'es un gros connard en le regardant dans le nez, ça... Alors, mais 68, c'était, oui, mais 68, c'était pas c'était, trop, c'était, hein. Oui, 68, c'est pas pareil. 68, c'était une vraie, vraie révolution. Là, on est dans une lutte sociale sur une réforme. C'est, enfin, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ce serait raisonnable de dire on lève un poil le pied sans se dénier de rien en disant OK, comme le proposait Léa tout à l'heure. Non, en c'est disant, pas moi, c'est le Laurent oui, Berger. Oui, enfin voilà. Je suis pas encore pardon, son porte-parole. Non, comme Léa le soulignait tout à l'heure, de la part de Michel Dor, Laurent Berger, est-ce qu'il y a une possibilité pour calmer le jeu, pour pas qu'on se dise. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Bon, déjà, il faudrait ramasser les poubelles. Hein. Vous savez, il y a aussi une question qui monte. Moi, je crois en la force de nos institutions. On pose et on décale. Je crois en la force de nos institutions, je crois en la République. Et la légitimité des élus de la République, elle ne peut pas être comparée à la légitimité de manifestants, même si ils ont le droit de manifester. Okay. Ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Vous allez me dire, vous aussi, que la foule n'est pas légitime? Je ne dis pas que la foule n'est pas légitime. Je vous dis qu'à force de délégitimer nos institutions, le jour où plus personne n'y croira, et qu'il n'y aura plus de cadre qui nous unira les uns les autres, et qu'il n'y aura plus de processus décisionnel, et que plus personne ne pourra décider de quoi que ce soit, parce qu'il y aura des gens dans la rue. Monsieur Véran. Pas comment. Léa Salamé, j'ai connu des grosses manifestations en 2012, quand on a fait la loi sur le mariage pour tous. Pardon, comparaison n'est pas raison. Mais quand vous aviez 350 000 personnes enregistrées par la police dans les rues de Paris, je n'ai pas eu de journaliste qui m'interrogeait pour me dire pourquoi est-ce que vous ne reculez pas sur cette question-là. Je vous dis que la légitimité des autorités, du Parlement, élues par le peuple, j'y crois et j'y adhère, sinon je ne ferai pas de la politique. Parce que le mariage pour tous, c'était majoritaire. Et il se trouve, Léa Salamé, qu'il y a le gouvernement. Oui, personne n'aime le 49-3. J'ai été parlementaire 10 ans, je suis ministre. Je n'aime pas le 49-3. Il est légitime, il a fait mal, dans la Constitution. Là, il a fait mal. Mais je n'aime pas le 49-3. Il se trouve qu'il a permis à Elisabeth Borne de dire à des parlementaires, alors que nous n'avons pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, voulez-vous ou non que nous partions ? Ils auraient pu voter pour cela. Ils n'ont pas voté pour cela. Paul de Saint-Sernin. Olivier Véran, je vais me lever. Parce que je suis venu avec des copains, vous allez me dire si vous les reconnaissez. Messieurs, levez-vous. Mademoiselle, madame. Allez-y, monsieur, c'est à vous. Ah. 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 Est-ce que vous les avez reconnus? Non? Ce sont les 9 voix qui vous ont permis de garder votre travail cette semaine. Mais alors, attendez, ça aussi, pardonnez-moi. 9 voix, pardon, attendez, quand un vote ne convient pas à une partie des gens, on va changer les règles de la majorité. C'est-à-dire qu'il ne faut plus 50% plus 1, il faut 50% plus 20 ou plus 30. Olivier Véran, juste parce que c'est un autre sujet qui monte, les violences, quand vous voyez ces deux images, j'en ai choisi deux, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Regardez, lundi soir à Bastille, un SDF qui s'approche, et voilà ce qui se passe. C'est un SDF. Allez, relève-toi, sac à merde. Ça, c'est des sacs à merde. Facile, là. Ah, là, ça te fait rire maintenant. Allez-y, madame, maintenant. Essayez à se relever, wesh. C'est quoi ça? Vous manquez d'humanité à ce point-là? Ça, c'était le SDF lundi soir. Autre image, ce jeune dans Paris, face à la brigade de répression de l'action violente motorisée, près de Bastille. Reconnaissez-vous là, Olivier Véran, reconnaissez-vous là l'usage disproportionné de la force? Évidemment que ça me retourne le bide de voir des images comme ça. Évidemment que l'inspection générale, elle doit être saisie, elle l'a été. De la même manière, je vais vous dire, Léa Salamé, ça me retourne le bide quand je vois des compagnies de CRS qui sont caillassées. On les a, on a les images. On a les images également. Jeudi, à Paris, après la grande journée de mobilisation, regardez ce CRS qui tombe dans les pommes, exfiltré par son collègue. Non, il a pris un caillou. Un pavé sur la tête. Un pavé. Il y a eu 400 policiers blessés. Enfin, ces gens-là, vous savez, ils portent, vous voyez, des tenues
qui sont extrêmement lourdes, qui tiennent chaud. Ils restent 5 heures, 6 heures debout. Et ils sont là pourquoi ? Pour protéger les gens qui manifestent. Y compris ceux qui leur crachent au visage, y compris ceux qui leur hurlent. Tout le monde déteste la police. Donc, d'abord, je veux quand même avoir un mot pour eux, parce que heureusement qu'ils sont là. Et merci aussi aux services d'ordre des syndicats qui ont permis que les précédentes manifs se déroulent bien. On a besoin d'eux, ils sont là pour nous sécuriser. Vendredi, ensuite, quand il y a des débordements, des exactions, on juge. Et quand il y a lieu, on condamne. La France a été déjà condamnée pendant les Gilets jaunes sur son usage de la force. Hier, le Conseil de l'Europe s'est alarmé d'un usage excessif de la force en France. Est-ce qu'il y a un problème du maintien de l'ordre aujourd'hui dans notre pays ? Je vous montre les images que vous avez vues. Le problème central, c'est encore une fois la violence. Quand vous voyez des CRS qui sont statiques dans la rue avec des gens qui leur hurlent dessus, tout le monde déteste la police et qui leur balancent des trucs, je ne dis pas que les images que vous montrez ne sont pas insupportables. Vous savez très bien en me montrant ces images-là et je ne peux pas être autre chose que d'accord. Et je vous dis, j'ai besoin que l'inspection générale, parce que c'est son job de le faire, je ne suis pas juge, vous non plus, ils vont le faire, évidemment. Et à chaque fois, Tristan, il y a des condamnations. S'il vous plaît, le premier message qu'on doit avoir ce soir par rapport à ce qui s'est passé dans les rues de jeudi à Paris, c'est quand même un message, pardonnez-moi de vous le dire, général de soutien à nos forces de l'ordre qui font ce travail-là, qui est compliqué. Moi, j'ai une question, alors je ne veux pas paraître trop corporatiste, mais on a beaucoup de collègues journalistes qui ont un mal fou à travailler, ça c'est quelque chose de nouveau pendant ces manifestations, pourtant ce sont des gens qui documentent à la fois les violences policières, les violences dont vous parlez, les violences commises sur les policiers, vous avez sans doute vu ces images, on les éclaire pour les empêcher de filmer. Parfois, ils sont tabassés. On a aussi eu des journalistes qui ont été interpellés, placés en garde à vue, alors qu'ils avaient des brassards presse apparents. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que quand des journalistes sont empêchés de faire leur travail, est-ce que c'est normal ? Non. Bah, non. Tout simplement, non. Est-ce que je suis sur place pour juger si la situation est hyper craignose et que les mecs ont peur parce qu'il y a des gars qui leur sautent dessus et qui leur hurlent dessus et que du coup, je ne sais pas. Voilà. Mais je sais juste qu'il faut que les journalistes fassent leur travail et qu'on a besoin d'eux. Et merci à eux de le faire aussi. Ça vous va ? On a des journalistes interpellés, c'est pas normal. Mais vous n'êtes pas juge, moi non plus, je ne sais pas s'ils sont interpellés, pourquoi ils sont interpellés. S'ils sont interpellés, qu'ils n'ont rien fait, ils sont relâchés, ils sont même pas arrêtés, etc. Mais qu'ils ne sont pas interpellés. Mais je vous dis, est-ce que la France est un pays dans lequel les journalistes peuvent travailler? Oui, c'est un des problèmes. Si la France n'était pas un pays libre, ce n'est pas en France que Greta Thunberg viendrait faire des discours et qu'il y ait des actions qui seraient menées par les écolos. Ils iraient là où ça pollue le plus, en Chine, en Inde. Bizarrement, ils viennent en France. C'est peut-être qu'on est quand même encore un pays des droits de l'homme et que les gens peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est là qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire que longtemps, quand il y avait des interpellations en garde à vue, les personnes étaient ensuite au parquet parce qu'on avait des vraies choses à leur reprocher. Là, on se rend compte que parfois, il y a eu, je crois, le jeudi dernier, le jour du 49-3, il y a eu, je crois, 292 interpellations et seulement 9 qui ont été finalement déférées au parquet. C'est-à-dire que 283 personnes avaient été arrêtées pour rien. Il y a 283 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre d'une manif avec des moments de violence. Je ne dis pas que c'est ces personnes qui les ont commises, mais vous avez encore une fois des CRS avec des casques qui essayent de sauver des gens, de les protéger, parfois de se protéger eux-mêmes. Et il peut y avoir des arrestations qui sont faites pour contrôler. Mm-hmm. Ces personnes, si elles sont libres, tant mieux pour elles. Si elles n'ont rien fait, encore tant mieux pour elles. Vous pouvez pas nier le fait qu'il y a quand même 500 ou 1000 personnes dans la manif de Paris qui viennent armées avec des casques, des barres de fer, des munitions et qui ne sont pas là pour les retraites. Ils s'en foutent. Mais ils viennent pour casser des trucs et pour taper sur des. Est-ce que vous pouvez nier qu'il y a des brebis galeuses ? La réponse est non. C'est comme dans l'humanité. Les flics, il y a aussi des brebis galeuses, malheureusement. Dans un contexte hyper tendu. Hyper tendu. Est-ce que, juste un petit mot à propos d'Elisabeth Borne, parce que vous en parlez tout à l'heure. J'ai entendu à la télévision par des gens qui, a priori, avaient des informations de l'Élysée, que votre président avait dit, vous m'aviez dit qu'Elisabeth Borne était formidable, regardez le résultat. On dit dans la presse. Okay. Ah bah, tu vois, je l'ai entendu avant le point. Ça va me poser une question. Est-ce que la première ministre est la personne de la situation ? Moi, je travaille avec elle. Elle a un sens de l'État que j'ai peu connu. J'imagine. Vraiment, mais vraiment un sens de l'État. Elle n'est pas là pour sa carrière. Elle est vraiment là parce qu'elle sert son pays et elle sait qu'elle le sert pendant toute la durée qui lui sera confiée. Elle réunit la majorité. Il y a un point qui est important, c'est, encore une fois, j'ai deux mandats dans les pattes de députés, dont un mandat socialiste où il y avait des frondeurs de partout. Là, il ne manquait pas une voix de Renaissance, il ne manquait pas une voix du Modem pour voter un texte difficile dans des conditions difficiles. Donc elle a cette capacité à unir la majorité. Est-ce qu'elle bosse beaucoup ? Oui. Oui, énormément. Est-ce qu'elle connaît ses dossiers ? Oui, énormément. Donc moi, je lui fais confiance. Faites-nous votre truc, ça, de parler comme ça. De quoi ? Non, mais le président aussi, il a fait ça. Est-ce que nana ? Oui. Ben, c'est est-ce peut-être que nana ? Non. C'est votre nouveau truc. Vous avez un truc ? Ah, mais c'est peut-être du mimétisme. Je pense. C'est possible. Je pense. Peut-être demain, je parlerai comme vous, alors. Non, parce que je n'ai pas la même influence que lui sur vous.
Olivier Véran, Elisabeth Borne aurait déclaré, c'est rapporté par Le Monde, aurait déclaré en privé sur son premier gouvernement « Je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles ». Je voulais savoir si vous aviez la liste. Alors, je ne sais pas si elle l'a dit. Je crois que vous n'êtes pas dessus. Pas, je ne sais pas. Non, mais... vous la connaissez? Vous la connaissez ou pas? Elisabeth Borne? Ouais. Oui. Bon, elle est très cash. Moi, j'aime bien les gens qui sont cash. Et donc, elle est capable de vous dire ce qu'elle pense. Ça n'empêche pas de vous appeler le soir à 23h30 pour vous dire « Alors, comment ça s'est passé la journée? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on pourrait faire ?» Donc, elle est tout à fait capable de dire cette phrase. « La moitié de mon gouvernement, c'est des débiles. » Mais je pense pas que ce qui compte, c'est est-ce qu'elle le pense ou non. La réponse est non. Ah, ah tu vois, c'est... C'est comme moi. Imaginez que je parte du plateau tout à l'heure et que mon collègue m'a dit ça va bien passer. Oh, t'as vu ce plateau de... C'est pas pour autant que je le penserais. Bah, mais j'ai des choses sur l'emportement qu'on ne pense pas. La question, Salamé. C'est, l'a-t-elle dit? J'en sais rien. Bah, j'étais pas là. C'est alors, la vie. Est-ce que c'est vrai alors? Est-ce que la moitié du gouvernement... Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Et est-ce que c'est vrai que... Mais c'est, vous savez, c'est pareil. Pardon. Quoi? Moi... Non, mais je veux dire, c'est hyper facile. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais il y a un truc qui est hyper facile et en fait qui coûte cher à tout le monde, je vous le dis, sur du court, du moyen et du long terme. C'est pas ce que vous faites, vous en particulier. C'est de taper sur le politique. C'est hyper simple. Là, c'est, de c'est la catégorie, tout le monde peut se mettre d'accord. Mais c'est vrai, hein, quel qu'il soit. Même les gens qui ne pensent pas comme moi, mais si. Et si vous voulez, moi, je me suis engagé dans la vie politique. Encore une fois, j'étais médecin hospitalier de province à Grenoble, père de famille. Ma vie, elle est très bien. Je ne dépends pas de la politique pour vivre. Et quand ça s'arrêtera, j'irai faire autre chose. Je dis juste que ça, je vous j'ai crois un respect. Pas. Mais vous me l'avez déjà dit la dernière fois. Je vous le répéterai à chaque fois parce que vous adorez ça. Olivier Véran, il adore ça. Je l'ai dit la dernière fois, je ne le crois pas. Vous verrez. Vous verrez. Oui, je suis comme les chats, j'aurai cette vie. Je ferai après la politique, j'irai faire autre chose. Ce que j'aimerais bien, c'est que quand j'arrêterai la politique, je puisse aller faire mes courses au Monoprix en short et que personne ne me reconnaisse. Parce que... On vous reconnaîtra. Mais en fait, parce que non, mais je voudrais qu'une fois que ça s'arrête, en fait, en politique, je retrouve une vie normale. Pourquoi en short? Parce que je suis grenoblois, Léa Salamé. Quand il fait c'est l'été, on est tous en short. Ouais, c'est comme ça. Paul de Saint-Sernin. Olivier Véran, vous qui êtes ancien ministre de la Santé, je voulais vous remercier. Je voulais vraiment vous remercier pour le tout nouveau test Covid que vous venez de mettre en place. Tous les matins, quand je sors de chez moi, je slalome entre les poubelles et je me dis, tiens, j'ai pas perdu l'odorat. Je suis pas malade. Allez, on termine avec le protocole. Excusez, vrai. Je peux vous dire un truc. Cramer des poubelles, cramer des barricades, c'est pour l'environnement, pardon, c'est ignoble. Et pour la santé et la salubrité, c'est pas terrible non plus. Le photocall, vous connaissez le principe. Je vous montre une photo. Si vous aviez ces personnes en face, quelle est la première question que vous leur poseriez? On commence avec Laurent Berger. On se voit bientôt. C'est une question ou une affirmation? C'est une conviction. Non, mais c'est une question qu'il faut poser. Ah bah alors non. C'est le jeu. J'ai déjà joué au jeu. La dernière fois, j'avais pas que des questions. Si, si. Elisabeth Borne. Is dead. Non. Je fais partie de quelle moitié? Ah, vous flippez un peu, hein? Non, je ne l'ai pas sur la liste. Emmanuel Macron. Désolé pour le retard avec l'Allemagne quand on a commencé la vaccination il y a 2 ans. Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez du recours à la violence? Qu'est-ce que vous êtes prêt à le condamner fermement et sans mais? C'est pas il a jeté des cailloux sur un policier, mais, ou il a brûlé des barricades, mais. On enlève les mais. Marianne, vive la République, vive la France. C'est vraiment pas une question. Mais non, il y a l'écharpe tricolore. Bah oui. Sandrine Rousseau. À Sandrine Rousseau, j'ai pris un café avec elle il y a quelques semaines de ça. J'ai proposé, on a discuté, parce que figurez-vous que... J'ai du respect pour l'activisme. Je n'ai pas du respect pour tout ce que propose Sandrine Rousseau, mais j'ai du respect pour l'activisme. Et je l'ai vu pour qu'on puisse discuter un peu de la manière dont envisageait l'activisme aujourd'hui. Vous pouvez jouer. Est-ce qu'elle va voter le projet de loi sur le nucléaire? François Ruffin. Est-ce qu'on peut partager une partie du constat qu'on peut faire quand on va rencontrer les Français, vous et moi? Éric Ciotti, est-ce que le groupe vit bien? Sa Majesté Charles III. À bientôt. Alors, ça quand à même... À bientôt, Majesté. Peut-être, à bientôt, si peut-être. Vous le souhaitez. Quand même, Gérald Darmanin qui dit 3 heures avant l'annulation, oui, bien sûr, on est prêt à accueillir Charles III dans d'excellentes conditions, et après, il annule.
C'est quand même un camouflet pour la France qui s'est passé, non? Franchement, les conditions, vous le savez en fait, Léa Salamé. Et si on avait dit on maintient la visite d'État, la visite de Charles III en France et qu'il y avait eu la moindre difficulté, on aurait dit pourquoi est-ce que ça n'a pas été annulé, etc. Donc au bout d'un moment, on se dit on n'annule pas, on diffère. Ce sera cet été, il fera encore plus beau dans les rues de Paris. Éric Ciotti a dénoncé une honte pour notre pays, cette annulation. C'est un report, pas une annulation. Anne Hidalgo. Est-ce qu'on pourra bientôt nettoyer les rues de Paris quand même? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame la maire. Chouzichou. Ah, le patron de TikTok. Le patron de TikTok. Vous avez une question à poser? Patron TikTok. Oui, est-ce que vous avez conscience que vous rendez beaucoup de gamins addicts aux écrans, aux algorithmes? Est-ce que vous êtes convaincu du résultat quand ils seront devenus adultes? Il faut interdire TikTok, vous y pensez, ça? J'ai le droit à une parenthèse? Oui. OK. Est-ce qu'il faut se poser la question de l'impact des algorithmes qui nous viennent de l'étranger dans la démocratie, dans l'apprentissage, dans la manière dont on est façonné, surtout quand on est gamin et qu'on passe des heures par jour derrière un écran? Il faut se la poser. Est-ce que si je vous disais aujourd'hui l'État propose de réguler les algorithmes et les réseaux sociaux, vous seriez tous en train de dire bravo? Certainement pas. Je pense que là, clairement, il n'y a pas une idéologie ni de droite, ni de gauche, ni du centre. C'est par excellence un sujet pour lequel je considère qu'il faut qu'on consulte les Français. Votre prédécesseur au porte-parole, Gabriel Attal. T'avais pas oublié de me prévenir que c'était aussi dur. Et puis si vous aviez Olivier Véran en face de vous, c'est quoi la question que vous lui poseriez? Eh bien écoute, on va bientôt rentrer se reposer, on n'aura pas volé le repos ce soir, voilà. Olivier Véran, merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On va parler d'un sujet qui va vous intéresser, le prochain complément d'enquête qui passera jeudi prochain sur France 2, consacré à l'homme le plus puissant de France avec Emmanuel Macron. Son jumeau, dites-vous dans le doc, Tristan Walleck, le plus influent de tous, plus puissant que tous les ministres du gouvernement réunis, que la première ministre, que tout le monde. Il s'appelle Alexis Kohler et c'est le secrétaire général de l'Élysée. Vous l'appelez tous les matins avant de démarrer votre journée? Oh là, non, je ne l'appelle pas tous les matins, mais je l'appelle, je vois après le Conseil des ministres, en général, pour lui dire, voilà, j'ai des questions qui risquent d'arriver des journalistes, est-ce qu'on a une ligne là-dessus? Et donc ça permet de se dire, ah, puis on réfléchit. Et puis je l'appelle dans des moments importants, je l'ai eu au téléphone vendredi, la dernière fois, hier. Avant de venir à cette émission? Pas précisément pour l'émission, mais je l'ai eu pour parler des suites de l'annulation de la visite, du décalage de la visite du roi Charles. Je vous dis ça, je vous pose la question, parce que dans le documentaire de Tristan Walleck, qu'on verra jeudi soir sur France 2, votre prédécesseur, Gabriel Attal, affirme qu'il ne commençait pas sa journée comme porte-parole du gouvernement sans appeler Alexis Kohler. Vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes bombardé tous les matins à la télévision ou à la radio? Quasiment à chaque fois, je l'appelais avant, que ce soit dans la semaine, le matin très tôt avant une matinale, le dimanche midi, je l'appelais, il était en train de faire son footing, je sentais qu'il courait et en même temps, il me répondait à mes questions qui étaient parfois techniques. C'est lui qui va jusqu'à fixer des éléments de langage? En tout cas, c'est lui qui est capable de vous restituer le message politique qu'on veut passer sur un sujet. Il n'y a pas grand-chose de plus rassurant pour savoir que derrière, vous n'allez pas vous faire engueuler parce que le président n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai, totalement. Il a raison. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Tristan Walleck, Alexis Kohler, aujourd'hui, cette réforme des retraites, celui qui la voulait par-dessus tout, on va en parler dans un instant, c'est lui. Et notamment, il voulait 65 ans, vous allez nous en parler. C'est le cerveau droit, le cerveau gauche, les deux cerveaux d'Emmanuel Macron, cet homme? Oui, alors je précise, c'est une enquête de Thomas Lelon. Moi, je présente l'émission complètement d'enquête, mais c'est mon collègue Thomas qui a travaillé sur Alexis Kohler pendant des mois. Ça a été effectivement très compliqué pour lui, mais très intéressant parce qu'en fait, Alexis Kohler, personne ne le connaît. Dans le grand public, il est très peu connu. Et il a un poids énorme, un poids politique, et notamment sur la réforme des retraites. C'est vrai qu'on a découvert que c'est vraiment lui qui arrive à imposer l'idée de cette réforme à Emmanuel Macron. On l'a dit tout à l'heure, en 2017, le futur candidat Emmanuel Macron était plutôt pour une retraite par points. Il n'était pas pour un report de l'âge légal de la retraite. Et Alexis Kohler finit par le convaincre qu'il faut mettre ça et appliquer cette réforme-là. C'est arrivé à différents moments, et notamment en 2022, lors de la deuxième campagne électorale d'Emmanuel Macron, on a plusieurs sources qui nous racontent comment il a réussi à placer dans le programme le report de l'âge légal à 65 ans à l'époque. Eh ben, on va regarder le fameux dîner où ils discutent 64, 65, etc. Regardez, c'est le complément d'enquête.
Dans le salon des ambassadeurs, à l'Élysée, les personnes les plus puissantes du pays sont réunies autour d'un plateau de fruits de mer. Assis comme toujours à la droite du président, Alexis Kohler. Sous couvert d'anonymat, l'un des 14 participants a accepté de nous raconter la teneur des échanges lors de ce dîner. Il y avait deux camps. D'un côté, Richard Ferrand, Gilles Legendre et François Bayrou, opposés à une mesure d'âge. De l'autre, Édouard Philippe et Alexis Kohler. Le secrétaire général, d'ordinaire sur la réserve, aurait pris la parole à la surprise de tous. Kohler a poussé pour inscrire un âge pivot à 64 ans dans la réforme. C'est la seule fois où je l'ai vu ouvrir la bouche en dîner politique. Nous avons d'ailleurs trouvé qu'il outrepassait son rôle. Il n'était plus conseiller, mais acteur. Voilà. C'est vraiment lui qui la voulait et qui la défendait. C'est lui qui porte cette réforme et c'est vrai qu'on raconte, c'est un autre épisode que l'on raconte dans le complément d'enquête de Thomas Lelong. Pendant la campagne électorale de 2022, il fait fuiter, on a plusieurs sources qui nous le racontent, même si Alexis Kohler s'en défend, il fait fuiter dans le journal Les Échos le projet de report de l'âge légal à 65 ans à l'époque, hein, c'était pas 64 ans, et on a plusieurs sources de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron de 2022 qui nous explique que c'était la consternation la plus totale parce qu'en fait c'était une mesure potentiellement impopulaire qui n'était historiquement pas une mesure portée par Emmanuel Macron et on trouvait intéressant de montrer que effectivement même dans les débats actuels sur l'incompréhension de cette mesure par les Français on se pose aussi la question de la fabrication de telles mesures, c'est-à-dire qu'on a Alexis Kohler qui est inconnu du grand public, qui n'a pas été élu et qui a une influence considérable sur les décisions de l'exécutif. C'est lui qui fait et défait les carrières, c'est-à-dire que si à un moment il met une croix sur Olivier Véran, il saute. Alors a priori, plusieurs personnes nous disent qu'il est impossible de faire carrière en Macronie si jamais on n'est pas adoubé par Alexis Kohler. On a un très proche d'Emmanuel Macron qui nous dit, pour Emmanuel Macron, les deux seules personnes qui comptent vraiment, c'est Alexis Kohler et Brigitte Macron. Il dit même Alexis Kohler avant Brigitte Macron et c'est vraiment quelque chose de... Elisabeth Borne, c'est lui qui la voulait. Elisabeth Borne, c'est lui. Vous racontez qu'Emmanuel Macron n'était plus sur Catherine Vautrin, une élue de droite. Effectivement. Et c'est lui qui a poussé Elisabeth Borne. Effectivement, si on se remet en mai 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, les jeux sont faits. Hein. C'est même certain que c'est Catherine Vautrin qui a été ministre de Nicolas Sarkozy. Elle devait normalement devenir première ministre. Et puis, il y a Alexis Kohler. Catherine Vautrin ne fait pas partie du réseau d'Alexis Kohler. Il connaît en revanche très très bien Elisabeth Borne, puisque lui, Alexis Kohler, quand il était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Elle, Elisabeth Borne, était directrice de cabinet de Ségolène Royal. Ils sont tous les deux du même CERA, issus de l'ENA, etc. Et il va pousser. Il va rallier plusieurs poids lourds de la Macronie, François Bayrou, Richard Ferrand, etc. Tout ça, vous racontez dans le doc très très bien. Et il arrive finalement à imposer Elisabeth Borne. Et finalement, les difficultés d'Elisabeth Borne aujourd'hui, les sources qui nous alimentent en info, nous expliquent qu'elles sont... ces personnes expliquent qu'Alexis Kohler en est peut-être pour partie une cause. Moi, je connais Alexis Kohler. D'abord, Alexis Kohler, il est secrétaire général de l'Élysée. Il n'a pas à être connu. Ce n'est pas son rôle. Il n'a pas à être connu. Il n'est pas élu, c'est normal. Il est plus puissant que tous les secrétaires généraux d'ailleurs, de la 5e République. C'est quelqu'un qui aime la vie simple et qui va au boulot à pied, qui se promène à pied dans Paris sans sécurité parce que les gens ne le reconnaissent pas, ils ne cherchent pas à être reconnu et à être connu. Et c'est son droit le plus légitime. Il n'a pas fait une carrière publique. Il est grand serviteur de l'État. Il a toujours choisi de travailler dans le secteur public et pour le public. Ensuite, c'est quelqu'un qui collige beaucoup d'informations. C'est lui qui reçoit énormément d'informations. Il y en a beaucoup qui vont directement au président, mais en général, quand le président reçoit une information, son secrétaire général en reçoit aussi les mêmes informations, il en reçoit encore davantage, et donc il fait la synthèse. Donc je ne crois pas que parce que Alexis Kohler aurait pu être amené à faire la synthèse à un moment donné des propositions sur les retraites ou d'autres choses, qu'il puisse être considéré comme le décideur ou l'instigateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que c'est lui qui
est à même de conseiller le président sur la base de ce que les uns et les autres lui remontent. Mais du vous conseil, reconnaissez, vous reconnaissez dîners, au cours des dîners ou vous ou reconnaissez ailleurs, qu'il a une grande influence, Alexis Kohler. En fait, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les dossiers de la nation. C'est pour ça qu'on l'appelle, que Gabriel Attal le disait tout à l'heure, moi aussi. Et c'est vrai que c'est sécurisant parce que quand on sait qu'on a besoin d'informations, on va la chercher à la source. Et c'est lui parce que c'est une mine d'informations. Et il a aussi cette façon d'aborder les événements et l'information avec une sensibilité qui rend aussi les choses intéressantes. Et une force de travail incroyable. Enfin, on nous explique qu'il travaille 7 jours sur 7, entre 18 et 20 heures par jour. A priori, c'est le seul qui reste au boulot après Emmanuel Macron. Et on nous dit qu'il est plus puissant que les ministres. Je voudrais juste, par contre, bien préciser une chose, c'est que c'est un humain. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup, il a des capacités cognitives hors du commun, dont acte. Il articule très bien son travail avec le président de la République, etc. Mais c'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un qui a une vie, qui parle comme vous et moi, avec qui on peut échanger. Vous dites, Tristan, dans le documentaire, vous dites qu'il est jalousé, d'ailleurs, par les autres conseillers, par les autres ministres, parce que c'est... C'est ce qui a été impressionnant. Nous, on a eu une quantité... Enfin, Thomas Lelon, qui a fait le reportage, a eu une quantité de sources à l'intérieur de la Macronie, à l'intérieur de l'Élysée, et c'est vrai qu'il est, oui, il est jalousé, envié par une partie de la Macronie, certains le détestent, et nous, c'est vrai que ça fait 6 mois qu'on enquête sur lui, et ça fait 6 mois qu'on nous explique, oh là là, il va sauter, c'est pas possible. Il faut dire qu'il est mis en examen dans une affaire. Aussi. Et alors, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt aussi, c'est depuis le mois de septembre dernier, alors qu'il avait toujours eu une carrière de haut fonctionnaire irréprochable, et oui, c'est sûr que c'est posé... Vous n'en parlez pas au passé ? C'est-à-dire ? Bah, c'est pas parce qu'il y a une mise en examen qu'il n'a pas eu une carrière irréprochable. Bien sûr, bien sûr. Il est condamné à rien. Et non, mais c'est sûr que ça a posé des questions. C'est vraiment parce une personne, quand on le voit, qui est d'une probité. Enfin, moi. Total. On verra ce que, ça fait partie des grands serviteurs de l'État. On verra ce que dit la justice. Mais oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en 2017, c'était une autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron. C'était le slogan « La République exemplaire ». Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait expliqué « Tout ministre mis en examen devra démissionner ». On s'est demandé si ça pourrait s'appliquer à Alexis Kohler quand il a été mis en examen en mois de septembre, même s'il n'est pas ministre. On a un autre ministre, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, mis en examen lui aussi pour prise illégale d'intérêt. Et finalement, Emmanuel Macron semble avoir évolué aussi à ce sujet-là. Dans la mesure où toutes les personnes qui avaient été mises en examen dans l'entourage du président et qui ont été chargées de démissionner ont toutes été innocentées. Vous parliez de Richard Ferrand, par exemple. Tout à l'heure, Richard Ferrand a dû quitter le gouvernement parce qu'il avait été mis en examen. Il disait qu'il était innocent. Il y a eu des condamnations. Alain Griset a été condamné aussi. Quand il y a eu des gens qui ont été condamnés, c'était Alain Griset. Il est évidemment sorti du gouvernement. Il a démissionné tout de suite. Non, mais vous pensez que la question de la démission d'un ministre ou d'un secrétaire général je veux dire, imaginons, mis en examen… Mais je vous pose la question, regardez. Vous allez dire que je suis maso, mais je vais être convoqué à un moment donné, moi, par la justice. Parce qu'il y a une instruction qui a été ouverte par la Cour de justice de la République pour savoir si j'en avais pas assez fait ou à l'inverse, trop fait dans la crise du Covid. J'ai été perquisitionné, etc. Bon, la question aurait pu se poser. J'ai été perquisitionné, on vient chercher chez moi pour voir si j'ai des masques sous mon lit, etc. Est-ce que je dois démissionner ? Et imaginons que, j'espère que ce ne sera pas le cas, et je laisse la justice travailler, je la respecte. Imaginons que dans quelques semaines ou quelques mois, quand je suis convoqué, ils disent on va quand même aller creuser un peu le dossier. Ça veut dire que ma vie politique est terminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de jugement. Peut-être que, et probablement, j'espère, rien ne me sera reproché à la fin. En tout cas, il faudra me dire si j'en aurais trop fait ou pas assez. Mais ça veut dire que ma vie politique est terminée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a eu aussi ce cycle de la justice. Non, il y a eu juste la déclaration d'Emmanuel Macron il y a quelques années qui disait un ministre en examen sort du gouvernement. C'est lui qui l'avait dit. Alors que vous avez raison, il y a une présomption d'innocence sur les mises en examen. Ce sera ça la règle et il ne l'a peut-être pas appliqué. Il l'a fait dès le début avec un certain nombre de ministres, mais je vous dis, son vieux camarade de route, l'excellentissime Richard Ferrand, en a fait les frais alors qu'il avait reproché que la justice l'a dit derrière. Donc c'est compliqué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Compliqué de. Juste quelques mots sur Complément d'enquête, cette émission qui a été créée par Benoît Duquesne il y a 22 ans, qui nous a quittés trop tôt. Vous avez d'ailleurs un bébé, Benoît Duquesne, vous. Vous l'avez reprise il y a 2 ans, vous l'avez dynamisée, plus d'1 million de téléspectateurs chaque jeudi. Vous signez la meilleure année pour le programme depuis 10 ans. Et vous dites, le dénominateur commun de toutes nos enquêtes, c'est qu'on choisit des sujets en merde. C'est un peu ça, c'est emmerdes multiples, ça peut être des emmerdes juridiques, médiatiques ou autres. En gros, on aime bien enquêter sur les puissants et sur les pouvoirs en général, les pouvoirs politiques, pouvoirs médiatiques, pouvoirs économiques. Et c'est vrai qu'on aime bien gratouiller gentiment. Et puis, il y a eu le documentaire, l'enquête sur les influenceurs. Ça, c'était il y a quelques mois, qui vous a vraiment fait exploser.
avec le lobbying de Booba qui vous suivait passionnément. Le documentaire a été vu ensuite en replay. Je crois que c'est le doc qui a été le plus podcasté 1 million de fois, en plus de ce qui avait été regardé en linéaire, en télé. Et là, surtout, vous avez touché les jeunes. Bah, ça a vraiment été un marqueur, cette émission. C'est vrai qu'en général, la télévision, on sait que c'est souvent regardé par les personnes plutôt âgées, sauf les formidables émissions comme Quelle époque. Mais qu'on rajeunit, nous. C'est vrai qu'avec cette enquête sur les influenceurs, on n'a pas fait un score incroyable en linéaire, en direct. En revanche, c'est vrai qu'on a été visionné plusieurs centaines de milliers de fois sur la plateforme France.tv et que je crois que la moyenne d'âge des personnes qui nous regardaient, c'était 29 ans. Donc on a eu un peu une nouvelle communauté qui nous a suivis et qu'on essaie d'intéresser à des nouvelles problématiques. Typiquement, on espère qu'ils regarderont Alexis Kohler. C'est quoi la touch Tristan Walex? La touch Tristan Walex, moi j'essaye de perpétuer l'héritage de Benoît Duquesne qui, vous l'avez dit tout à l'heure, a créé Complément d'enquête et qui était vraiment, pour moi, un super journaliste, qui était à la fois un mec marrant, sympa, rigoureux, et j'essaye de poser des questions dérangeantes tout en étant sympathique sur la forme. Et les pressions. Et les pressions. Quand on enquête sur le secrétaire général de l'Élysée, on en a on n'en est pas victime directement. On imagine qu'il y a beaucoup de coups de fil qui sont passés, mais nous, on est complètement préservés de ça. Et il faut vraiment souligner ça dans ces moments de défiance à France Télévisions. On peut faire de l'investigation. Et on va le regarder, votre complément d'enquête. C'est jeudi, il est bien foutu. Merci à vous, Tristan Walex, d'avoir été avec nous. Et on retrouve Philippe Cabrivière pour la fin de cette émission. Pour son fil actu. C'est pas que les gens sont contents de me voir, c'est qu'ils en peuvent plus, ils en ont marre. Ils savent qu'après, vite qu'on en finisse. Non. C'était super l'interview. Non, c'était bien. On a appris des trucs. Olivier, il s'en fout de l'Elysée. Il veut aller au Monop en short. Non. C'est un rêve que je qualifierais d'accessible. Vous allez l'atteindre, merci. Alors, oui, non, c'était bien l'interview, bien. Et c'est vrai que porte-parole, c'est pas facile comme rôle. C'est l'équivalent du porte-drapeau en temps de guerre. Belle visibilité, mais espérance de vie limitée. Voilà. C'est celui qui prend la balle en premier, devant tout seul comme un con avec son drapeau. Le porte-parole, c'est le tirailleur sénégalais du gouvernement. C'est passe devant, Abdoulaye, on te rejoint. Tirailleur suivant. C'est comme ça, c'est cruel. 300 stars de la culture ont signé une tribune dans laquelle ils soutiennent les grévistes et demandent le retrait de la réforme des retraites. Vous avez signé, Philippe? Alors, j'aurais bien aimé, mais il y a écrit 300 stars, Léa. Et dans 300 stars, il y a le mot star. Donc, si j'avais signé, ils auraient été obligés de titrer 300 stars et l'autre con demande le retrait de la réforme. Ça sonne moins bien. Puis moi, je vais vous dire, j'ai un problème, c'est que je suis trop influençable. Moi, vous me mettez 3 minutes devant Philippe Martinet, je dis, ouais, la réforme, c'est dégueulasse, on nous vole 2 ans de notre vie, on est là, même si Macron veut pas, on est là. Et puis là, j'écoute Olivier, je me dis, mais c'est des feignasses, les grévistes. Oh, ils nous emmerdent, un petit coup de flashball dans les roustons, et tu retournes au boulot. J'ai pas de colonne vertébrale. C'est horrible. C'est moche d'être comme ça. Vous êtes journaliste, quoi. C'est ça. Un caméléon. Cette semaine, des épreuves du bac ont été perturbées par les grèves et des affrontements entre manifestants et policiers. Les parents d'élèves ont peur pour le bac 2023. Oui. On rassure les parents qui nous regardent. Ne vous inquiétez pas, vos enfants auront leur diplôme. Le bac, c'est comme l'herpès du zizi. Très peu de gens sortent du lycée sans l'avoir. C'est pareil pour une semaine au Club Méditerranée. C'est rare de sortir sans l'avoir aussi. Vincent confirme, et le médecin aussi. Mais ça soigne très bien. Alors, le bac, sans vouloir minimiser, on le donne maintenant. L'an dernier, il y a une chaise, un néon et un extincteur qui ont eu mention bien parce qu'ils étaient présents dans la salle d'examen et on leur a accordé le bac. Donc, voilà. La visite en France, oui, du roi Charles III et qui était prévue à partir de demain est reportée à cause des tensions dans le pays. Oui. 600 ans après la pucelle d'Orléans, Philippe Martinez a lui aussi réussi à bouter les Anglais hors de France. Mon filou, c'est la nouvelle Jeanne d'Arc. Ça lui va bien.
Ça lui va bien, ce blond californien. Je trouve que ça lui fait le visage moins dur. Ça le rend plus souriant. Alors, le roi Charles III est sûrement très déçu parce qu'il aime énormément Paris. Et ça prouve qu'il n'est pas rancunier parce qu'on lui a quand même encastré son ex-femme Diana dans un poteau. Non, mais il aurait pu nous en vouloir. On n'a pas fait exprès. Il aurait pu nous en vouloir. Ça aurait été légitime. En plus, le pauvre, il venait en week-end romantique avec la belle Camilla. Camilla, c'est la nouvelle mémère d'Angleterre. C'est une mamie stabilo, mais en déplié, quoi, en plus grand. Moi, je ne juge pas. Alors, pas de remarques physiques sur Camilla. C'est un petit peu Michel Houellebecq avec un diadème et une robe bleue. Il n'y a pas loin, hein. Il n'y a pas loin, il y a un truc. Alors, en tout cas, voilà, c'est une leçon pour tous les hommes que nous donne Charles. Il était marié avec la sublime Diana, et c'est très malin ce qu'il a fait, parce qu'il l'a trompé avec Camilla, et pour ne pas se faire gauler, ça c'est la règle, toujours tromper sa femme avec une moins bien. Comme ça, elle ne se doute pas, tu vois. Et ce petit tips se trouve dans mon livre, parce qu'on a parlé du livre de Violette, qui est formidable, et du livre de Vincent, mais il y a un livre formidable. 50 conseils pour réussir sa vie de couple quand on est un gros bâtard. Ça, je vous invite à le lire. Vraiment. C'est un livre qui fait du bien. C'est fou ce que tu racontes sur Diana qui s'est encastrée avec Dodi El Fayed, oui, dans cette galerie là en dessous et qui s'appelle maintenant, je l'ai appris hier, les Galeries El Fayed. Les Galeries El Fayed. Wow. Un député, oui, du parti Les Centristes a été placé en garde à vue. Il est soupçonné. Il est soupçonné d'avoir vendu de la drogue dans des soirées chemsex qu'il a organisées. Oui, ah, chemsex. On le voit dans l'œil quand même qu'il s'est passé quelque chose avant. Il n'y a pas besoin de faire une prise de sang. La photo suffit. La photo suffit. Alors, tu vois, les centristes. Il n'est pas député, non, il n'est pas député. Je ne sais pas comment il m'écrit ça. Oui, mais c'est un élu. C'est un élu. Élu, attends, reprends. Il est très tard, il est 2h du matin. On veut tous aller se coucher. On s'en branle qu'il soit député. Hey, Club Med, je ne suis pas journaliste, je suis du Club Med. Ça sera toujours à peu près avec nous, Léa. Alors, bon, bref, c'est pas ce que je veux dire. C'est que les centristes, je croyais que c'était des mollassons, des neuneux, des mous du genou. Et en fait, tu vois, c'est sexe, drogue et rock'n'roll chez les centristes. Alors, c'est fou quand même, ce boom du chemsex dans l'actu. Les docteurs et les psys expliquent que cette pratique vient d'un rapport performatif à la sexualité. Ça veut dire qu'il faut être bon et longtemps. Et moi, j'ai envie de dire, eh oh, ça va, mesdames, hein, c'est bon. Hein, la pression sur mon kiki, c'est pas les JO non plus. Hein. On a le droit de rater une épreuve. On n'est pas des machines. On a des sentiments. Alors, moi, je vais vous livrer mon petit conseil sexo pour échapper à cette pression de la performance. Moi, mon petit secret, c'est que je n'en ai rien à foutre de décevoir ma partenaire. Je m'en cogne du plaisir de l'autre. Et d'ailleurs, il m'arrive de faire le fameux 1, 2, 3, soleil. Vous voyez, hop, d'être un peu rapide, quoi. C'est le, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est gênant, c'est vrai que c'est gênant, mais une fois qu'on est sorti de la dame et de la pièce, bon, le moment de honte est vite passé. Et d'ailleurs, c'est le... Il est 2h, on s'en fout, et c'est le 32e conseil de mon livre qui sort demain aux éditions FDP. Voilà, 50 conseils pour réussir sa vie. On va lire votre livre. Et on va le lire. C'est la femme qu'à l'époque. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas le livre de Vincent Lagaffe, très émouvant. Je m'appelais Franck. C'est aux éditions XO, via la Durso. Même le bruit de la nuit a changé. C'est chez Flammarion. Laure Calamy dans Bonne conduite en plus grand salle. Mercredi prochain, Enrico Macias en tournée un peu partout en France et le 16 avril au Palais des Congrès. Tristan Walex, complément d'enquête, c'est sur Alexis Keller, c'est jeudi prochain, absolument. Merci à mes trois complices, merci Philippe. Christophe, je vous dérange. Ça va, tout va bien, je vous dérange. Bien.
Non, j'étais en train de parler de ce bouquin mon camarade qui était en train de me dire est-ce qu'il est bien. Je lui ai dit il est pas bien, il est formidable ce bouquin. Et sinon, je vous souhaite une excellente soirée, évidemment. Continuez à faire les fous, cassez les meubles, faites les fous et sortez couverts. Merci Paul de Saint-Sernin également. Merci à tous. À la samedi prochain, à la même heure pour quelle époque. Pourquoi quelle époque? Bah parce qu'on reste ça. Mets pas d'emojis dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Soit tout en dos, shot, remets une couche. Numéro 4 Dangerous. La mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sale, 30 fois ça a l'air de tes profs. Pour dire de la merde à tes gosses. Devant la lune en bicross, redis-le. Ça parle que de stream, ça parle que de clics, ça parle que de chiffres, de bénéfices.